Bonsoir à tous et bienvenue dans cette seconde édition du journal du hardware, votre rendez-vous high-tech et matos du lundi soir en direct sur Gaming Live. Je voulais déjà m'excuser parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Vous savez que c'était la COP. C'était la COP 21. Du coup, on était retenus par nos obligations professionnelles, n'est-ce pas? La lutte contre le climat, voilà, tout ça, c'est super important. On était obligés de sauver la Terre, tout ça. Mais voilà, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission avec les mêmes compères que la semaine dernière. Le petit tour de table. Comment vas-tu, Yamato? Bah écoute, ça va super bien, ouais. On m'a demandé d'égaliser ma barbe. Alors là, je pense que j'ai bien égalisé ma barbe. N'importe quoi. Là, je trouve que tu es. Ouais, là, ça c'est va mieux. Soyeux, là. C'est entretenu. J'ai mis de l'huile de barbe ce c'est matin. C'est ça. Il paraît que tu utilises des huiles de barbe. Exactement. Peut-être une émission spéciale. Un benchmark des huiles de barbe. Sur le sujet. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois là parce que tu as réalisé la Capcom. Les finales de la Capcom Cup. Cette nuit que Ken Bogard commentait. Un petit 18h, 6h du mat. Voilà, donc c'est ça. Au pied levé. Tu as taffé toute la nuit et tu es avec nous déjà. Quelle santé. La passion. À ma droite, Krakou. Oui, quelle santé également. Quelle santé. Le responsable hardware de jeuxvideo.com. C'est bien ça. Voilà, donc tu es là pour ton expertise, ta sagesse, tout ça. Et tu as des. Comme d'hab, tu as ramené des beaux produits. Ma barbe. Et ouais, je suis moins impressionné là. Ouais, et tu nous as ramené des beaux produits dont on parlera en deuxième partie d'émission. Tout à fait. À ma gauche, Pentaru. Voilà, l'objectivité, le recul, qui a mis son t-shirt PlayStation aujourd'hui pour essayer de nous faire croire que c'est pas un Xbox fag. C'est juste pour les troller en fait. Mais ça marche pas, Pentaru. Tout le monde sait que tu es un Xbox fag. Ça ne passera pas. Le sommaire de l'émission, on va d'abord faire les news comme d'habitude. Ensuite, on va passer à un débat sur la 4K. On va vous dire si c'est enfin le moment de passer à la 4K. L'Ultra HD, pardon. C'est vrai qu'on dit plus 4K. Et enfin, des petits tests produits. Est-ce que je tease un peu? On a un écran de malade, le Acer X34. On a un laptop MSI. De malade. GT72S. Et on aura un invité en deuxième partie d'émission qui va nous montrer. De malade aussi. Qui va nous montrer les nouveaux téléphones Lumia 950-950XL qui viennent juste de sortir. Mais sans perdre plus de temps, on passe tout de suite aux news. Et voilà, les news retenues par nos invités avec à chaque fois, bien sûr, des spécialités en fonction de ce qu'aime chacun. Yamato, cette semaine, toi, tu as choisi de commencer avec du Lenovo et du ouais, Razer. Ouais, alors c'est une alliance pas forcément improbable, mais qu'on n'attendait pas vraiment entre Lenovo et Razer pour créer une gamme de PC gamer. C'est pas si étonnant, ça me rappelle un peu Dell et Alienware, si j'ai pas de conneries. En fait, Dell qui avait racheté Alienware, mais c'était effectivement Goliath qui avait avalé David. Sauf que là, effectivement, ça reste une alliance complètement tout honneur. En fait, il n'y a pas de mélange. Chacun garde ses gammes propres, ouais. Mais ils vont sortir un PC en coprod. Alors voilà, comme vous pouvez voir sur les trucs, je pense que le point le plus intéressant, c'est les lumières personnalisables. Les composants, on s'en fout. Non, voilà. Plus sérieusement, le but, effectivement, c'est de proposer des machines. Je pense que, en fait, le problème, c'est que Lenovo, sur sa gamme, déjà gamer, a beaucoup de mal à asseoir sa légitimité. Ah, qui est quasiment inexistante. Hein. Qui est quasiment inexistante. Ils ont lancé ça il y a très peu de temps. Et du coup, tu m'apprends qu'ils avaient une gamme gamer. Hein. Moi, j'en sais rien. Voilà. Et Razer, du coup, va leur apporter, en fait, la visibilité de la marque. Plus la licence, en fait, j'allais dire le prestige, mais bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas fan de Razer. Et en fait, c'est un peu symptomatique. On est en train d'assister à une transformation du marché PC fixe, comme les PC portables, où finalement, les PC gamers portables qui étaient les plus chers, en fait, sont ceux sur lesquels ils font le plus de marge. Et ça devient les seules machines puissantes que l'on peut avoir dans le marché. Donc là, ça va être pareil sur les tours. J'ai bien l'impression que entre Acer, effectivement, avec sa gamme Predator, et maintenant la gamme Gamer Razer Lenovo, on va commencer à avoir des gens qui font des tours PC gamer, histoire de pouvoir vendre des produits haut de gamme avec des grosses performances. Ouais, moi je vois ça plutôt d'un bon oeil, parce qu'en général, ça veut dire que concurrence, baisse de prix, et on se tire aussi la bourre pour augmenter la qualité des produits. Mais il ne faut pas se voiler la face, ils essayent aussi, tu vois, de compenser cette guerre des prix sur les autres domaines, sur notamment l'entrée de gamme et le milieu de gamme et la bureautique, en proposant des machines un peu d'exception. Donc, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait de la concurrence entre tout ça et que ça fasse un peu plus baisser les prix, mais à mon avis, c'est plutôt le contraire qui va se passer. Et est-ce que ça va se vendre? Je ne suis pas vraiment convaincu. Bon, bah, on attend de voir les premiers modèles pour voir ce que ça donne. Au CES 2015. Au CES 2015, voilà. Très bientôt, on devrait avoir effectivement une tranche de prix. Okay. On enchaîne sur la Radeon. Alors ça, c'était vraiment le grattage de fond de tiroir du mois de décembre, parce que c'est un peu la dèche niveau news. Il y a un énorme problème actuellement avec la gamme de cartes graphiques Radeon. C'est qu'elle ne sort pas de HDMI 2.0.
Le HDMI 2.0, c'est ce qui permet en fait de bénéficier d'une image en ultra HD en 60 images par seconde. C'est-à-dire que sur l'ancien HDMI, le 1.4, on n'a que du 30 images par seconde. Donc c'est problématique. Il y a des méthodes pour zoulouter tout ça en réduisant la fidélité des couleurs, histoire d'avoir du 60, mais aucune Radeon ne fait ça. Et donc du coup, quand on branche son PC avec Radeon sur, par exemple, un téléviseur ultra HD... On a 30 images par seconde. Quand on veut jouer sur son salon, on a 30 images par seconde. En HDMI. En HDMI. Sachant qu'on pourrait éventuellement DisplayPort, on n'a pas ce problème. Mais les téléviseurs avec DisplayPort sont quand même relativement rares de nos jours. Donc AMD rattrape son retard par rapport à Nvidia là-dessus. C'est même pas AMD, c'est un constructeur tiers effectivement qui a sorti un adaptateur qui coûte quand même 40 balles. Ah d'accord. Voilà, qui va permettre en fait via la sortie DisplayPort de sa carte graphique de passer en HDMI 2.0. Donc c'est vraiment du bricolage. Hein. Sachant qu'il n'y a absolument pas de HDMI 2.0 prévu sur la génération actuelle de Radeon. On peut espérer sur la prochaine, mais voilà, c'est la seule manière. Il faut débourser 40 balles une fois de plus. D'accord. Le bricolage, voilà, total. Ok, okay. Bah écoute, on sait que t'aimes ça le bricolage. Ouais, effectivement, mais là, celui-là, 40 balles, j'ai un peu du mal quand même. Ça fait un peu mal. Bon, ouais. On va passer à Krakou, avec, qui va nous parler des CPU Intel. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous parler d'Intel. Comme on le sait, ils ont lancé leur nouvelle génération, la sixième, leur génération de processeurs Skylake. Ouais. Et la semaine dernière, ils ont eu quelques petits soucis, ce qu'on appelle un Bend Gate. Alors, Bend Gate, qu'est-ce que c'est, hein? Est-ce que quelqu'un a un iPhone 6? Je connais le Gamer's Gate, le Doritos Gate. J'en aurais cassé un en direct, ça aurait été bien. Mais non, en fait, donc le Bend Gate, c'est une affaire qui avait touché Apple il y a quelques temps. Un problème sur les iPhone 6 en fait, qui se tordaient lorsqu'on leur appliquait une pression localisée. Ouais, je me souviens, tu le mettais dans la poche arrière. C'est ça. Et quand tu t'asseyais, il était. Et ben Intel a eu à peu près le même problème avec ses processeurs. On ne s'assoit pas sur un processeur, c'est mal, c'est comme croiser les effluves. C'est certains systèmes de refroidissement qui étaient pourtant compatibles avec les CPU Skylake. Bah, en fait, certains utilisateurs se sont rendus compte qu'ils appliquaient une pression trop importante sur les processeurs. Du coup, lorsque la tour en fait était posée au pied de votre bureau, il n'y avait aucun souci. Par contre, dès qu'on commençait à la transporter ou si par hasard pendant un mauvais geste, voilà, la tour venait à subir un coup, ça imprimait une contrainte au niveau du processeur et le processeur se pliait. Pour schématiser, le processeur était mou, enfin pas assez solide. En fait, il faut savoir que sur les PCB des processeurs Skylake sont légèrement plus fins que la génération précédente, ouais. Donc Broadwell as well. Après, il faut relativiser ça. C'est des cas assez exceptionnels. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement sur des transports. C'est sur des ventirades assez imposants. Les spécifications livrées par Intel pour le maintien des ventirades sur les CPU étaient en fait les mêmes que celles qui avaient été livrées pour les processeurs Broadwell et Haswell. On pouvait se retrouver avec un ventirade d'une génération précédente qui était parfaitement compatible en termes de fixation avec le processeur Skylake, qui avait tout à fait la capacité de le refroidir, mais n'était pas conçu spécifiquement pour ce processeur. En termes de com, d'image, alors, c'est toujours très mauvais, ce genre d'affaire. Est-ce qu'il rembourse? Est-ce qu'il s'excuse? Là-dessus, c'est ce que je disais, c'est un phénomène, une affaire qui est assez exceptionnel, qui touche pas énormément de gens et énormément de constructeurs. Par exemple, il y a Cite, je crois, qui s'est déjà engagé soit à rembourser ou à envoyer un jeu de vis pour les ventes. Des vis en fait avec des ressorts pour absorber en fait la pression et pour permettre aux utilisateurs qui auraient des systèmes de refroidissement problématiques de remplacer les pièces qui ne vont pas. Également, mais à côté de ça, il y a beaucoup de constructeurs qui ont du coup communiqué sur ce problème et qui ont expliqué que toute leur gamme n'était pas touchée. Par exemple, Waterblocks a dit que c'était OK, NZXT, je crois, a dit que c'était OK également, Thermaltake, Noctua, Coolermaster. Faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur, mais ouais. Malgré tout, si vous venez d'acheter un processeur Skylake avec un système de refroidissement custom, ça coûte rien d'aller vérifier sur le site internet du constructeur pour voir s'il n'y a pas de souci particulier. D'accord, donc bien se renseigner avant d'installer, avant d'acheter. On passe à Radeon encore, hein, encore AMD Radeon. Voilà, encore AMD, ma foi, qui a organisé la semaine dernière une petite réunion secrète, dira-t-on, donc qui a convié en fait différents journalistes. Ici, hein. Voilà, c'est ça. C'est le secret des dieux. Déjà, c'est parce que nous, on n'était pas invités, donc j'ai pas de NDA particulier à respecter là-dessus. D'accord, vas-y, lâche. Et en même temps, il y a quelques rumeurs qu'on commence
commencé à filtrer, c'est pour ça que j'en parle. En fait, visiblement, AMD aurait présenté la prochaine déclinaison des Radeon Fury. Donc pour mémoire, il y en a trois qui sont sortis. Il y a la Fury X, la Fury et la Fury Nano, qui est la petite version. Et donc la quatrième, celle qu'on attendait, c'est la Fury X2. Avec des vrais MILF pour voilà, présenter les cartes. Voilà, donc comme on le voit à l'image, c'est une carte bi-GPU donc qui embarquera deux puces graphiques Fiji XT, donc les mêmes que sur les Fury X. Et chaque puce Fiji sera associée à 4 gigaoctets de mémoire HBM. Pour résumer, c'est une carte très haut de gamme qui va enfin chatouiller les Nvidia ou pas ? Alors après, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'elle va être dévoilée en détail courant décembre. Mais visiblement, là encore, bon, c'est des rumeurs, il n'y a rien d'officiel, mais a priori, elle ne serait commercialisée que courant 2016, dans le courant du premier semestre 2016. Du coup, effectivement, on a un peu l'impression que AMD occupe le terrain faute de mieux et présente une carte qui finalement va arriver en gros dans les mêmes eaux que quand Nvidia présentera sa nouvelle génération. D'ailleurs, AMD aussi présentera probablement dans ces mêmes eaux sa propre nouvelle génération de processeurs graphiques. Et voilà. Et puis par ailleurs, bon, les bi-GPU. À titre personnel, j'en suis pas un grand fan. Hein. Je l'ai testé sur pas mal de jeux dernièrement. D'ailleurs, pour le coup, que ce soit le SLI de Nvidia ou le Crossfire d'AMD, Fallout 4, Batman, Assassin's Creed Syndicate. Vous ne trouvez pas ça fou ? C'est, disons qu'il y a toujours énormément de problèmes de support de pilote. Alors, les problèmes finissent par être résolus au fur et à mesure des sorties, des mises à jour de pilote. Mais à la sortie des jeux, c'est rarement propre sur des systèmes bi-GPU. Ok, donc on surveillera ça, on leur laissera quand même le bénéfice du doute, voilà. On attendra de voir ce que ça donne. Et on va terminer avec Pentaru, ce tour de l'actu. Pentaru qui voulait nous parler de sa marque préférée, Sony PlayStation. C'est ça, je voulais parler de la PlayStation 4. Oui, très bonne console. Ah excellente console, la meilleure de tout le marché de toute façon. et en fait, il se passe pas mal de choses. Il va faire du 1080p parce que la Xbox, c'est un peu chaud quand même. Ah, 900p, Shots fired. Allez, vas-y, continue. Laisse-moi parler de ma PlayStation 4 favorite. Donc, il se passe pas mal de choses en fait. Première chose, c'est qu'il commence à parler du streaming de la console PS4 sur PC. Jusqu'à présent, tu ne pouvais streamer que ta PS4 sur la magnifique Vita. Ouais. Voilà. Et là, en fait, il y a un développeur qui a développé un petit soft qui, pour 10$, permettait en fait de leurrer la PlayStation 4 en faisant croire que ton PC était une Vita et donc de pouvoir streamer ta PS4 sur ton PC. Et Sony, voyant ça d'un très mauvais œil, a dit « Non, mais les gars, on a ça dans les cartons, en fait. On va le faire au premier juré. » Voilà. Donc, OK, ça, c'est cool. Deuxième petite news aussi, l'émulation. Donc quand Xbox a sorti son émulation en 360, Sony a dit « Non mais les gars, c'est OSEF, à quoi ça sert, à la rétrocompatibilité, on s'en fout. » Et puis en fait, comme c'est les pros un peu des releases à 15 balles, des jeux HD, remaster, EX, tout ça, ils ont annoncé qu'ils allaient faire de l'émulation de jeux PS2, pas PS3, mais PS2, parce que la PS3, c'est trop compliqué à mon avis. Et donc on imaginait qu'on allait mettre sa petite galette de PS2 dans sa PS4, et en fait pas du tout, c'est ils ressortent des jeux PS2 en 1080p pour 15 balles aussi. Ah ouais, donc c'est un faux cadeau, c'est un cadeau empoisonné quoi. Ah non, mais ils ont vu Nintendo, ils ont vu les chiffres, ils ont fait « Putain, mais en fait, les gens, c'est vraiment des pigeons. » voilà. Non, mais voilà quoi. Du coup, en fait, quand Microsoft annonce… Ils achètent ça, mais les cons quoi. Voilà, ça a trop compatibilité. Nous, si on a les jeux, on les met dans la Xbox One, ça fonctionne. Bah, pas chez PlayStation en fait, c'est « T'achètes ton jeu PSD pour 15€ et tu pourras jouer sur ta PS4. » J'adore comme t'as dit, tu viens de te trahir là, t'as pas dit les joueurs, t'as dit nous. Oui. Nous, on met les jeux Xbox dans la Xbox One. Non, mais j'assume. Donc voilà, Pentaru, tu es démasqué. Parce qu'en fait, Pentaru, il voulait juste faire cette news pour montrer que la PS4 était en retard sur la Xbox One et qu'elle est en train de rattraper ces features-là. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils trollent, sauf qu'à un moment donné, ils font un peu la même chose, quoi. Et encore une fois, là où ils font encore la même chose, c'est le fameux 7e cœur, en fait, la PS4 qu'ils ont enfin débloqué. Ouais. Donc à l'époque, Microsoft avait fait ça en disant, comme on sait qu'on n'a pas trop vendu de Kinect et que ça réserve de la puissance, on va enlever ça et on va libérer le cœur de la Xbox One pour la rendre plus puissante. Et là, PlayStation en fait a enfin sorti un SDK qui permet de débloquer le 7e cœur de la PS4. Mais ça, c'est un concours. C'est le 7e sens. C'est un concours de sexe. C'est histoire de dire de toute façon, nous, on a toujours de la puissance sous le capot par rapport à la One. Ah oui, oui, toutes ces choses. Concrètement, voilà, la différence, elle est infime. De toute façon, pas exploité avant. Voilà, c'est un coup marketing quelques années, puisque il faut que les développeurs l'exploite, et surtout tout le monde sait que maintenant c'est le GPU qui fait 80% du boulot dans les jeux et pas trop le CPU, donc c'est pas... C'était quand même effectivement assez débile à la base de réserver deux cœurs pour le dashboard de facto.
Voilà, donc, surtout pour un dashboard qui fait rien en fait. C'était ma news cœur PlayStation. Voilà, bah voilà. Merci Penthouse, ça sentait la sincérité. Ah, mais oui, non, mais voilà. Vraiment, on sent que tu es derrière la marque. Et on va finir avec encore les processeurs Intel, mais cette fois tu veux nous parler des Skylake 10 cœurs. Et oui, voilà. Là, on parlait de 8 cœurs pour les voilà, consoles. Et en fait, c'est ça, je voulais faire. Alors, est-ce que Kindle peut envoyer justement, j'ai pris des beaux assets. Voilà, merci. Alors, c'est préparé cette émission. Ah, ça, et j'en ai deux en plus. Hein. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'Intel, ils ont un tic et un toc. Nous, on a tic et tac. Eux, ils ont un tic et un toc. Donc le tic, en fait, c'est le processus industriel de graver toujours plus fin. Donc là, on est à 14 nanos, d'accord. Donc ça, c'est le tic. Et en général, ça c'est aussi un TOC, qui est une nouvelle architecture de processeur. Mm. Donc le Skylake, c'est le nouveau TOC du tic, en fait, voilà. Je suis jusque là. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Est-ce que tu peux envoyer Kardel l'autre asset, s'il te plaît? Et là, en fait, donc on attendait, voilà, parfaitement. Kardel à la fraîche. Ah, mais t'as vu ça un peu. Il est exceptionnel. Merci Kardel. Et en fait, donc Intel vient d'annoncer un Skylake, enfin à 10 cœurs, parce que jusqu'à présent, en fait, le plus qu'on avait, c'était le 8 cœurs, donc le 5960X, sur l'ancien TOC. Et donc là, maintenant, ils annoncent un nouveau 10 cœurs sur le nouveau TOC. Voilà, donc ça c'est la grande news, et surtout ce qui est impressionnant, 25 mégas de cache de niveau 3. 25 mégas de cache de niveau 3. Autrement dit, j'ai eu un orgasme en lisant les specs, hein, j'ai fait la vache. Pour vous donner une idée, les processeurs haut de gamme comme le 6700, je crois que c'est 15 mégas. Ouais. Donc ouais, là on a 20, on a 10 mégas de plus. C'est déjà énorme. Donc c'est un pros quand même. C'est monstrueux. Extrêmement performant. Alors il y a qu'une horloge de 3 GHz. Ouais. Mais de toute façon, on sait très bien que quand ils ajoutent le nombre de cœurs, ils ne peuvent pas monter aussi haut en fréquence. Oui. Voilà, parce que le nombre de transistors, c'est le nombre de transistors, quoi. Voilà, donc c'est vraiment la grosse news. Donc voilà, 3 GHz, 25 mégas de cache niveau 3, 10 cœurs, 2 threads. Et c'est un pros qui va, comme d'habitude, coûter 1200 balles. De toute façon, c'est le minimum syndical pour streamer de chez soi ses jeux vidéo. C'est ça. Je pense que c'est plus du 2000$ à mon avis. 2000$ 25 mégas de cache de niveau 3. C'est clairement, enfin Uber, quoi. Voilà. Et après, donc, juste pour compléter le propos, faire un petit cours d'histoire. La loi de Moore, hein, qui est donc un des fondateurs d'Intel, avait annoncé il y a des années de ça, dans les années 70 ou 80, que justement le nombre de transistors devait doubler tous les 2 ans. Et pendant un moment, justement, Intel a lutté pour maintenir à cette loi de Moore effective. Ouais. Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Voilà. Donc là, maintenant, c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des processeurs qui sortent avec de plus en plus de cœurs. Mis à part la branche Xeon, qui est la branche industrielle, et voilà quoi. Donc enfin, 10 cœurs, 25 mégas de cache. Voilà. Eh bien écoute, Penthouse, je compte sur toi pour l'acheter le jour de sa sortie. Et je suis sûr que tu vas le faire en plus. Et pour venir nous montrer dans l'émission si ces 10 cœurs servent vraiment. Bon, j'achèterai pas parce que j'ai 5960X qui fait bien le boulot. T'as le 5960X hein. Ouais. Voilà, voilà le genre de mec qu'est Penthouse. Merci beaucoup, messieurs, pour les news. Je vais en profiter avant de passer au débat pour glisser un mot sur le hashtag. Vous pouvez nous poster vos réactions sur Twitter sur le hashtag LEJDH, L-E-J-D-H, et en fait on a réservé cette fois une petite portion de 10 minutes après le débat dans lequel on va lire vos tweets, vos réactions. Si vous avez des questions, des réactions sur les news ou sur le débat sur la 4K, n'hésitez pas, on prendra du temps pour vous lire. Voilà. Sans plus tarder, on va passer à notre débat. Le débat c'est la 4K et c'est tout de suite. Alors la 4K, ça fait l'ultra HD, la 4K, ça fait la très haute résolution. Ça fait, je pense, au moins déjà 4 ans qu'on nous bassine bien avec ça. 3 ans, 4 ans. Voilà, qu'on dit voilà la 4K, ça y est, que les tout premiers écrans hors de prix sont sortis. Maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, Noël arrive, on commence à regarder un petit peu les comparatifs, les pubs dans les catalogues. Il y a des téléviseurs 4K dans les 600, 700 balles. Il y a des moniteurs 4K. Toute la moyenne gamme en TV, c'est du Ultra HD maintenant. Il faut se tourner vers l'entrée de gamme pour du Ultra HD. On est d'accord. Aujourd'hui, on n'achète plus forcément une télé Full HD. On va peut-être acheter ce Noël une télé 4K. Pour les écrans, on arrive dans des prix qui commencent à être abordables. C'est-à-dire autour de 300-400 euros, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Toi, Yamato, qui a été justement chef de rubrique test écran, je profite de ta présence pour te demander en premier. Est-ce que c'est le moment? Là, ce Noël, plein de gens. Comment ça, non? 600 balles. Non, c'est. Est-ce que c'est le moment pour passer à la 4K, quoi? C'est pas le moment. En fait, si vous êtes pressé, non, c'est pas le moment. Parce que les sources, en fait, sont pas encore prêtes. Je veux dire, concrètement, là, aujourd'hui, on s'est encore fait zouloute. Les Blu-ray Ultra HD sont toujours pas sortis alors qu'ils devaient sortir là.
Il y a quoi? Il y a 4 séries qui se battent en duel en ultra HD sur Netflix. Ils sont en train d'un. C'est faux, il y en a plus. Bon, il y en a plus, mais il y en a 8. Ok, il y en a 8. Et mercredi dans Cult and Click, ça parlera de la 4K. Mais c'est pas fondamentalement le problème. Le problème, en fait, c'est que à l'heure actuelle, ils sont encore en train d'implémenter des nouvelles techno dans l'ultra HD, comme le HDR notamment. Et ce serait quand même dommage d'acheter un téléviseur tout de suite qui ne bénéficiera pas de nouveautés qui vont être mises sur le marché l'année prochaine. Et ben, au final, on va se retrouver avec un peu. Ce sera pas aussi pire que les téléviseurs HD et ultra, full HD à l'époque avec les normes. On était passé par la HD Ready, le 720p, et après il y a eu la full HD. Le HD Ready, on s'est bien fait niquer. Alors est-ce que ça veut dire que là, quelqu'un qui achète un écran 4K, pareil, au début, on va dire, on est encore au début, est-ce que c'est pareil, son écran va être obsolète et qu'il y a un autre truc qui va sortir ou d'autres normes? À moins de taper dans le très haut de gamme ou le haut de gamme qui est en partie déjà HDR ou qui a effectivement des possibilités de mise à jour avec des boîtiers externes, notamment chez Samsung, en fait, on n'aura pas un truc obsolète, mais on va se priver d'un certain nombre de fonctionnalités sympathiques qui arriveront l'année prochaine et qui commencera à se développer en même temps que l'Ultra HD. Il faut encore attendre, j'aime pas attendre. Ben, j'en peux plus d'attendre. On va passer la parole à Krakou qui lui a peut-être un avis un peu différent. Bah, déjà là, on parle d'un usage qui est très particulier, qui est celui de la vidéo pour le coup. Oui. Autant pour l'aspect vidéo, effectivement, il n'y a, oui. a pas énormément de contenu. Hein. Les seuls contenus 4K aujourd'hui, c'est Netflix, et ils n'en ont pas énormément. Après, effectivement, sur un usage vidéoludique, c'est-à-dire l'achat d'un moniteur, là, pour le coup, je serais plutôt sur la ligne opposée. Ouais. Et effectivement, là, la 4K, c'est intéressant. Après, pour juste je suis parfaitement d'accord revenir pour jouer vidéo, sur la partie purement vidéo salon, c'est plutôt n'achetez pas une télé 4K. Le problème, c'est que mais un écran sur des produits de haute technologie, si on attend après telle avancée, on attend tout le temps quoi. À un moment, moi je connais quelqu'un qui n'aime pas attendre. Hein, quelqu'un qui n'attend pas et qui est vraiment. On ne dit pas que j'ai un écran 4K. Après, si tu veux vraiment acheter des téléviseurs ultra HD maintenant, t'as des modèles effectivement en 55 pouces qui commencent à passer sous la barre des 1 000 euros, qui sont tout à fait corrects en qualité. Et que tu vas pouvoir garder pendant 2-3 ans, enfin, c'est vite amorti. D'accord. Donc si tu es vraiment pressé, c'est pas déconnant. Je vais poser la question à Pentaho, parce que lui il est très pressé. À l'époque où je travaillais sur un autre site, je crois que c'était il y a 2 ans, on faisait de la libre antenne et un jeune homme téléphone et pose des questions. Et c'était Pentaho en fait. Et il parlait déjà de la 4K. C'est-à-dire qu'en fait, tu nous disais que tu avais déjà un écran 4K, que tu avais le PC de guerre le plus ouf de l'époque pour jouer en 4K. Ouais. Tu étais vraiment early adopter. Est-ce que quand tu es passé à la 4K très tôt, t'as regretté? Est-ce que tu t'es dit, ah, finalement, c'est pas si bien que ça? Les jeux RAM, les affichages sont pas adaptés, il n'y a pas de film Blu-ray 4K. Est-ce que tu t'es senti piégé là-dedans? Ouais. En fait, il y a 2 choses. Non, je ne me suis pas senti lésé pour les écrans de PC, parce que les écrans. Non. Moi, je ne joue pas trop sur PC, donc tout le monde le sait. Par contre, le confort qu'on a avec le 4K pour bosser, c'est-à-dire avoir un tableur Excel, avoir un navigateur, c'est juste exceptionnel. Pour un graphiste. Ouais, ou pour un graphiste, ou pour un mec qui fait du montage vidéo, je veux dire, le confort que tu as d'avoir une telle surface d'affichage quand tu fais du PC. Tu te retrouves quasiment avec 2 écrans. En fait, tu as 2 écrans en un, donc c'est juste fabuleux. Après, moi maintenant, 2 ans plus tard, j'ai envie de te dire, la 4K jouée en PC en ultra, c'est toujours pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai un TriSLI 980 Ti sur The Whip. Quoi tu veux bien avec son 5960 Ti, un petit peu ce que t'as j'ai un, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est du foutage de gueule. Tu as 3 GeForce 980 Ti en SLI. Voilà, en SLI. Ouais. Et malgré ça, j'arrive pas à voir 60 FPS en 4K tout à fond. Que ça soit sur Battlefront, que ça soit sur The Witcher 3. Avec ou sans anti-aliasing? Bah, tout à fond. Moi, il faut pas le mettre là, l'anti-aliasing. Moi, j'ai pas de compromis. Quand tu payes 1 800 € de carte graphique, tu peux te dire que tu veux mettre tout à fond. Ouais, mais c'est pas utile en fait en ultra HD. Parce que la définition est déjà tellement fine que t'as pas d'aliasing. Ça, c'est un très bon point. Du coup, est-ce que t'as. Krakou, la sagesse. On va demander l'avis à Krakou. Parce que Krakou, justement, teste tout ça chez jeuxvideo.com. Et je sais que tu t'étais un peu penché sur la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, en 4K, en ultra HD, même les PC de la NASA à 4000 balles vont ramer, déjà. Alors, en fait, quand tu prends un jeu et que tu pousses les réglages graphiques vers l'ultra, ou en tout cas vers le maximum, plus tu vas t'approcher du maximum, plus ça va te coûter cher en termes de puissance de calcul. Du coup, effectivement, actuellement, pour jouer en 4K en mettant tous les curseurs au maximum, aujourd'hui c'est compliqué, même avec un SLI, encore que
c'est compliqué, mais on s'en approche. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 60 FPS, mais il y a une grosse majorité de jeux qui commencent à tourner autour de 30, 40, voire 50 FPS. C'est ce que j'ai pu voir sur Fallout 4, c'est ce que j'ai pu voir sur Star Wars Battlefront, sur... alors Assassin's Creed, il est plus proche des 30-40 que sur... Mais voilà, Witcher 3, c'est aussi un bon exemple. Et donc voilà, à ce niveau-là. Après, ça, c'est le cas extrême, c'est-à-dire on met tout à fond. Derrière, il est tout à fait possible de jouer aujourd'hui en 4K avec un affichage magnifique, c'est-à-dire au lieu de mettre les graphismes en ultra, on les met en élevé. Ouais, et à ce moment-là, effectivement, on arrive dans des plages de FPS autour de 50, 60, avec des systèmes SLI donc, qui embarquent deux GPU, mais on arrive également à avoir ce type de résultat sur des mono-GPU. Faut savoir que la 4K, il y a un an, on avait, en termes de puissance de calcul, on avait des 970 et des 980. Aujourd'hui, on arrive en mono GPU sur des 980 Ti overclockés ou des R9 Fury. Et entre ces deux types ces deux familles de cartes graphiques, on a un gap de puissance qui est de 30 à 40%. Alors, je veux pas balancer. Du coup, aujourd'hui, c'est vrai que on tourne, comme je le disais, autour de 50 FPS sur. On arrive à tourner autour de 50 FPS sur du mono GPU, donc une carte. C'est déjà pas mal. Et si on ajoute à ça des technologies comme G5 qui justement prennent tout leur sens sur des valeurs de framerate entre autour de 40 et 60. On arrive à des expériences extrêmement agréables, extrêmement fluides. C'est vrai, Krakou, donc peut-être que sur un GPU ça marche, mais par contre l'écran G5 et 4K, à mon avis, il n'est pas donné. Hein. Donc là aussi, tu as des frais. Mais je suis désolé, on est déjà super à la bourre. On va marquer la toute petite page de pause. Et en fait, pendant qu'on lira les tweets des gens, n'hésitez pas à réagir là-dessus sur le hashtag LeJDH. On continuera à débattre un petit peu, parce que je pense qu'il y a encore des trucs à dire. Donc on fait une toute petite page de pause. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Et voilà, de retour en direct pour ce journal du hardware numéro 2. Il y a eu un petit switch pendant la pause, parce que Yamato avait des douleurs gastriques, il a dû s'absenter en urgence. Il a remplacé par Chrono, que vous avez peut-être déjà vu chez nous, puisqu'il était passé pendant l'E3 ou la Gamescom, je ne sais plus, pour des pilotes de journal du hardware qu'on avait déjà fait à l'époque. Salut Chrono, tu travailles chez TV5, Monde, TV5 Monde. Et Chrono, grand passionné de jeux vidéo et de technologie, on se connaît depuis fort longtemps. Et tu vas notamment nous parler tout à l'heure des téléphones Lumia. Exactement. Voilà. Donc peut-être un avis toi sur la 4K. Sur quoi tu joues toi? T'as un écran 4K chez toi? Alors moi j'ai un écran 1440p, donc 2560 par 1440. C'est l'entre-deux. Ouais. C'est un écran G-Sync de Asus qui est très bien. Moi je joue sur ça ces jours-ci. Et bien que je vois la différence concrète entre le 1080p et le 2560 par 1440, je me doute qu'avec la 4K, ça doit être encore plus marqué. Mais par contre, je pense que la technologie, aujourd'hui, n'est pas encore prête à accueillir en fait, ce genre d'écran-là pour pouvoir jouer au quotidien. Sur une technologie de gamer classique, entre guillemets. Gamer classique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas mettre 4000 euros dans son PC. C'est exactement ça. Je pense que c'est trop tôt. On n'est pas encore à 4000 euros, mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on reste malgré tout sur du haut de gamme. C'est-à-dire que sur des cartes au minimum 980, voire 980 Ti overclockés, donc c'est des cartes qui vont en. En termes de tarifs, rien que la carte, autour de entre 500 et 800 euros. Donc, ça reste des plages de prix haut de gamme pour des cartes graphiques. 600 euros, une alors, du coup, c'est très sympa ce que nous montre Cardel à l'écran pour rappeler aux gens que la 4K, c'est en gros, quand vous avez un écran 4K, vous pouvez mettre 4 fenêtres Full HD. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, si vous avez des navigateurs, vous pouvez mettre 4 sites différents. Sur des sites de streaming vidéo, ça peut être très sympa. Et du coup, ça consomme autant de ressources en plus. Tu disais que pour toi, en faisant quelques concessions graphiques, ça pouvait passer sur une 980 Ti. Ouais, même sur une 980 aujourd'hui, faisant des concessions, on peut effectivement arriver à un framerate qui tourne autour des 40-50. Alors après, ce n'est pas optimal pour tout le monde, mais par exemple, pour un Witcher 3, ça passe très bien. Et c'est pour ça que moi... C'est ce
Voilà, moi, je dis le meilleur compromis aujourd'hui, c'est vraiment le 1440p parce que moi, j'ai 980 et du coup, je fais pas de concession du tout. Mm-hmm. Mais par contre, je peux profiter de mon écran avec une pleine performance et avec une résolution qui est quand même bien plus propre que 1080p. Quoi. Après, il faut voir aussi qu'un écran, c'est un investissement en général sur le long terme et que acheter de la 4K maintenant, ça a du sens parce que justement, on va passer sur une nouvelle génération de GPU courant 2016, que ce soit du côté d'AMD ou d'NVIDIA. Et bah, qui dit nouvelle génération de GPU dit performance améliorée, pour peu qu'on gagne, allez, à la louche, 20 à 30% de performance. C'est-à-dire que le milieu de gamme prenne 20%, le haut de gamme prenne 20%. On gagne vraiment 30% quand on passe d'une génération à une autre. C'est pas plutôt 15-20? En général, c'est 20, voilà. Ouais, hein. Après, ça dépend. Il y a eu un gros gap, par exemple, quand Nvidia a sorti, c'est 970 et 980. On a eu un gros gap qui tournait plus autour des 30%. Alors, regarde là, la différence quand même de qualité. On le voit, Cardinal nous le montre, entre le 480 et le 1080, c'est flagrant. Et le 4K, c'est encore plus précis. Alors bien sûr, tout le problème quand on parle de la 4K, c'est que le stream là qu'on fait n'est pas en 4K. Et si on vous montre des vidéos, des images, machin, vous ne verrez pas. Donc ça a les détails. Après, j'imagine que tout le monde ici a déjà pu aller dans une Fnac ou un boulanger ou machin, voir les télés avec les démos. C'est hyper impressionnant. Et franchement, quand on a passé du temps sur la 4K, ça fait mal hein, de revenir au 1080p. Tu peux pas. Hein. Ça fait mal. Tu peux pas. Moi, je regarde les séries 4K sur Netflix et je peux plus regarder des séries en Full HD, quoi. Enfin, Je veux ta vie, Pentaho. Je veux ta vie. Moi, j'ai un ADSL de merde. Et voilà, il faut qu'on en parle. Et, ah voilà, Cardel nous montre aussi. Regardez, là, vous voyez bien la différence. Ouais. Quand on zoome sur une image, enfin voilà, c'est quand même une très très grosse différence. Bah, c'est ça en fait. C'est qu'il faut quasiment du 20 mégas pour regarder ces séries en 4K. Donc c'est vrai que si t'as un ADSL à 8 mégas, ben t'oublies tout de suite. Donc c'est vrai que la 4K, déjà avoir, il faut l'écran 4K. Après il faut la connexion qui puisse supporter le stream du 4K. Donc c'est pas non plus à donner à tout le monde. Donc tu vois, il faut le combo quand même. C'est quand même, ça restreint pas mal de gens. C'est compliqué. Et après, moi je suis désolé, mais quand j'ai un écran 4K et ben que j'ai un PC de très haut de gamme, moi je veux pas faire de concession parce que je trouve pas ça normal, quoi. Mmh. Voilà. Et je sais que Nvidia m'a dit oui, les jeux sont pas optimisés, Tri-SLI, pas tous, et blablabla. Ah, ça c'est sûr même. Je sais, ça, mais je trouve ça rageant et je trouve pas ça normal. Voilà. Pour moi, après, 4, un Tri-SLI de TI qui tourne pas 60 FPS en 4K tout à fond, c'est débile. Le problème que j'évoquais sur la news AMD avec sa prochaine Radeon bi-GPU. C'est la même chose avec les CELI, donc les deux cartes, ou avec Crossfire. C'est pas un système par essence qui est stable, ça l'a jamais été. Et c'est vrai qu'il vaut mieux tabler sur du mono GPU à ce niveau-là. Mais la 4K sur du mono GPU en milieu de gamme, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Dans deux ans, je pense. On a bien compris que pour profiter de la 4K, en tout cas sur PC, il fallait déjà un PC puissant. Il fallait donc un écran. On va dire de préférence avec le G5 parce que ça va aider à avoir une meilleure fluidité. Mm. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui coûte encore très cher. Et en plus, on conseille donc d'avoir une très bonne connexion parce que sans la fibre, justement, trouver du contenu 4K, il n'y en a pas encore des masses en dehors des jeux. Quand on veut de la vidéo comme sur Netflix, il faut une très bonne connexion. C'est vrai que c'est autant de facteurs qui font qu'à chaque fois, voilà, on se coupe de franges de la population qui pour elle, voilà, le 4K, c'est encore abstrait et les gens se disent, bah, pas maintenant. Et d'ailleurs, tu parlais de comment? Je ne sais plus de quoi tu parlais. Je parlais de Netflix, non, de contenu. Oui, tu parlais des problèmes de contenu, en fait. Il faut savoir que justement, dans la mesure où le contenu aujourd'hui, d'ailleurs, la problématique est différente côté jeux vidéo ou côté vidéo, mais on arrive en fait aux mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder du contenu HD la plupart du temps, que ce soit aux vidéos parce qu'on manque de contenu ou que ce soit en jeux vidéo parce qu'on n'a pas la puissance pour faire tourner les jeux en 4K, donc on est obligé de les faire tourner en HD. Et à ce moment-là, il y a aussi un facteur qui intervient qui est l'upscaling, c'est-à-dire qu'il faut que l'écran ou la télé qu'on achète soit capable de reproduire un contenu HD sur une diagonale 4K en le faisant proprement. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'image est souvent décevante quand on prend un contenu? Je vais regarder un Blu-ray 1080p sur ma télé 4K, parce que pour l'instant, il n'y a que ça. Est-ce que du coup, l'image va être mal upscalée, dégueulasse, ou est-ce que ça va? Là encore, j'ai pas une excellence. On aurait pu demander ça à Yamato tout à l'heure, mais j'ai eu des exemples d'écran où effectivement l'upscaling était, notamment en jeux vidéo, était assez dégueulasse. Et alors, les écrans étaient de très bons écrans 4K dans l'absolu, mais voilà, dès qu'on passait du contenu HD dessus, bon, c'était pas propre. D'ailleurs, moi j'ai un exemple concret. On se faisait pas plaisir, quoi. J'ai un exemple concret, c'est que quand je suis passé de mon 1080p à mon 1440.
En mettant le même jeu sur les deux écrans qui étaient de même taille, donc des 27 pouces, je voyais le 1080p qui était plus propre que le 1080p upscalé sur mon 1440. Mais c'était flagrant, littéralement flagrant. C'est-à-dire que là où c'est encore plus vicieux, c'est que si tu as un écran 4K et que tu n'as pas le contenu qui va derrière, qu'il s'agisse de puissance d'ordinateur ou de vidéo en 4K à regarder, tu vas être perdant. En fait, tu es perdant parce que l'image est dégradée à cause de l'upscaling dont parlait Krakow à l'instant. Il y a un exemple un peu, si on se rappelle, c'est la Retina, quand Apple a sorti ses écrans Retina. Il y avait beaucoup de sites web, etc., qui paraissaient flous, qui paraissaient complètement dégueulasses parce que c'était pas adapté. Et c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont habitués aux écrans Retina et tous les sites web ont dû s'adapter pour justement optimiser leur prise de caractère, leurs images, pour plus que ça soit baveux. Mais les gens se rappellent bien qu'on avait l'impression d'avoir des sites baveux, quoi. T'avais un iPhone écran Retina et tout paraissait baveux. Mais c'est pas possible, quoi. C'est très drôle parce que on a tous un certain âge ici. Vous vous souvenez certainement que quand les télés HD sont arrivées, tout le monde parlait de l'upscaling de programmes SD. C'est-à-dire, j'ai un magnétoscope, je regarde un truc en basse résolution, comment ça va être upscalé sur ma télé HD ? Et c'est des problématiques qu'on retrouve maintenant. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu moins grave parce qu'on n'avait pas encore de contenu natif, donc tu n'avais pas en fait la différence concrète du truc. Et puis surtout, tu partais d'un cathodique pour la plupart. Ouais. Donc tu vois, là pour le coup, tu vois quand même l'amélioration. Alors qu'aujourd'hui, quand tu fais un upscaling sur quelque chose que tu as déjà vu en beau et que tu retournes sur quelque chose de moins beau, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait très mal. Le test ultime, c'est simple. Hein. Tu vas sur Netflix, tu joues la même série en Full HD, tu la joues ensuite en 4K natif, c'est fini. Enfin, voilà, moi, je sais que dès que c'est plus 4K, je sais que ça va être dégueulasse, quoi. Et pourtant, l'upscaling sur la Samsung est quand même plutôt bon. Alors attention, parce que justement, là c'est, tu dis ça, Pentaho, je sais que tu as une télé 65 pouces. Ouais, 65 pouces. Voilà, déjà, ok, tu as une télé 65 pouces, c'est-à-dire qu'avec une telle diagonale, si tu repasses en 1080, c'est dégueulasse. Ouais. Mais je crois que on n'a pas forcément besoin de ça si on a des écrans de taille plus réduite. À partir de quelle taille la 4K est intéressante ? J'ai 50 pouces, 50 pouces à la maison. En 4K, et j'ai pas de problème. Alors après, voilà, c'est parce que là où je voulais en venir, c'est que il y a des écrans ou des moniteurs, enfin ou des télés qui le font très bien. Hein. Donc c'est juste un paramètre à rajouter en plus par rapport à ce dont on a parlé, G-Sync, avoir une carte graphique puissante. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une contrainte supplémentaire à vérifier qui s'ajoute à celle dont on a déjà parlé. En plus, il y a un autre point pour ajouter quelque chose à ce que disait Krakow, c'est que le recul aussi est différent. Quand on est sur un écran 4K, on a besoin de moins de recul que quand on est sur un écran Full HD. Parce que vu qu'il y a plus de pixels en termes de densité, ben forcément, on a moins besoin d'être loin de l'écran pour avoir une image relativement nette, entre guillemets, selon la taille de la dalle. Donc avec un 65 pouces, un recul de 3 mètres, forcément, oui, enfin 2 mètres, on va dire, il y a un petit problème. En Full HD, je veux dire. Mais par contre, si tu as un 65 pouces, en 4K, que tu as le même recul de 2 mètres, là, ça passe parce qu'il y a plus de pixels, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo qui était. Dans la photo où il y avait un zoom sur le bateau, là. Ben, là c'est pour ça, en fait, que le recul est important aussi à prendre en compte. Je voulais aussi apporter une précision. Voilà, on la revoit, là, l'image. Je voulais apporter une précision aussi. J'ai vu pas mal de tests sur le dernier Sony. Il y a un smartphone Sony qui a un écran 4K. Et justement, on se disait que pour les télés, pour les écrans, il y avait une question de recul, etc. Et là, les premiers tests. On sait que sur les téléphones, c'est souvent la surenchère technologique parce que ça évolue très vite. C'est peut-être ce qui évolue le plus vite en ce moment. Et donc, il y a déjà des écrans 4K sur smartphone. Et la plupart des tests disent « ça sert à rien ». C'est-à-dire que tu as un écran de 5.5 pouces. C'est en 4K, mais il pourrait être en 8K ou en 50K. Ça n'apporterait plus grand-chose. C'est pour une raison qui est très simple. C'est que ce que Apple appelle le Retina, en fait, c'est ce que peut voir un œil avec, 15 dixièmes, un humain avec 15 dixièmes par œil et ce qu'il peut décerner à une distance de à peu près 20 cm vis-à-vis du device qu'il regarde. Et le Retina équivaut à 326 pixels par pouce, en fait, en réalité. Et quand tu as des écrans, par exemple, ce que je vais présenter tout à l'heure, c'est du 500, je ne sais plus combien pixels par pouce. C'est énorme. Donc déjà, là, il n'y a pas de différence à l'œil nu parce que de toute façon, tu ne vois pas concrètement la différence. Donc en fait, je pense que c'est un effet placebo. Alors est-ce que ce débat-là, c'est comme les mecs qui disent 30 FPS, 60 FPS, les films sont en 24, donc c'est pas la peine d'avoir plus. Alors là, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que le Retina, c'est 326 et c'est pas la peine d'avoir plus ? Ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu de différence ? D'un point de vue biologique, d'un point de vue physionomique, c'est pas comparable. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'œil, contrairement à ce que pensent les gens, ne voit pas un nombre d'images par seconde défini ou limité. D'ailleurs, Naufrag avait fait un excellent dossier dessus il y a des années, en 2012, je crois.
En fait, il faut savoir qu'entre 30 et 60, et même entre 60 et 120, quand tu vois les deux l'un à côté de l'autre, tu vois la différence concrètement. Après, forcément, la dalle de l'écran va jouer, etc., sur ton téléphone portable. Mais concrètement, d'un point de vue biologique, l'humain, à une certaine distance, ne va pas discerner plus de pixels par pouce que 326. Donc du coup, 4... c'est, pour moi, c'est du placebo. La 4K sur un smartphone, Et c'est la même chose sur pas mal d'ordinateurs portables également. On en voit régulièrement des 15 c'est pouces, vrai, les laptops, des 17 pouces qui proposent des écrans 4K. Et bah, pour moi, c'est une aberration. Parce ils n'ont pas, la carte graphique d'une part, pour les faire tourner. Ils n'ont pas, ouais. pas le circuit graphique pour les faire tourner en natif. Donc de toute façon, ils seront obligés de passer en HD. Et d'autre part, c'est inutile. Enfin, moi, encore une fois, j'en ai un à la maison. Et c'est un prêt en test pour le moment, donc comment je suis en train de le tester. C'est sympa, et entre la résolution HD et la résolution 4K, pardon, je vois pas la différence. Donc les deux choses en fait que je voulais dire, c'est que Apple a sorti son super écran 5K, sauf que la carte graphique qui était derrière était une merde. Donc en fait, les mecs, ils pourront même pas jouer au solitaire dessus. Donc ça, c'était l'erreur. C'est vrai qu'Apple a un écran 5K. Et oui, ils ont un écran 5K, sauf qu'ils ont une carte graphique digne d'un PC portable. Quoi. Ouais, voilà, donc c'est n'importe quoi. Mais ce que je voulais dire, moi, je pense qu'il va favoriser l'arrivée de la 4K, c'est que justement, maintenant, les smartphones ont des écrans 4K, mais aussi des capteurs 4K pour faire de la vidéo et des photos. Et je pense que les gens, maintenant, ils vont prendre de plus en plus de vidéos avec leur smartphone en 4K, de plus en plus de photos avec leur 4K, ou avec leur GoPro, et ils voudront justement profiter de cette qualité qu'ils ont shootée chez eux. Quoi. Donc moi, je pense que la 4K dans les maisons arriveront plus facilement grâce aux smartphones qui, eux, shooteront en 4K, plutôt que par vraiment les contenus extérieurs. Ça va faire une source de contenu 4K. Exactement. Alors ça, je suis d'accord. Par contre, quand tu vois qu'Apple vend plus de 700 balles un iPhone 6S avec 16 Go de RAM, non, mais je pense que des vidéos 4K, t'en fais pas beaucoup avec 16 Go de RAM. Une GoPro, t'en captures pas beaucoup. Tu achètes une GoPro, tu shootes en 4K, t'achètes des téléphones Sony ou Google, ils shootent en 4K aussi, si tu veux, et ils sont moins chers que les escroqueries Apple. Non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, je pense que ça va venir de ça. Quoi. Ce sera peut-être de là que viendra le salut pour le contenu 4K. On est déjà à la bourre, je vais aller très vite. Est-ce que tu conseilles d'acheter, Chrono, un écran 4K ce Noël? Aujourd'hui, moi, je dirais non. D'accord. Non. Pour ? Parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt, comme tout ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, concrètement, je ne vais pas c'est le répéter, mais c'est ça, c'est vraiment trop tôt et ce n'est pas prêt de l'être, à mon avis, ce n'est pas tout de suite. D'accord. Alors, Krakou, toi, un peu plus positif? Alors, moi, je dirais oui, parce que bah, typiquement, que ce soit un écran qui va aller dans un salon ou un moniteur, bah c'est, en tout cas dans mon cas, c'est des objets qu'on garde 5, 6, 7 ans. Ça va être amorti sur le temps. Et c'est un investissement sur l'avenir. Dans la mesure où, comme je le disais, moi j'estime que, en tout cas en matière de jeux vidéo, les contenus 4K pourront commencer, enfin les jeux pourront commencer vraiment à être jouables au courant 2016. Bon, je pense que c'est vraiment un bon moment pour commencer à investir. Okay, on me reprend sur le chat, j'ai dit 16 Go de RAM. Non, pour l'iPhone, c'est 16 Go de mémoire de stockage, pas de RAM. Ce serait bien s'il avait 16 Go de RAM. Voilà, faut voir ça comme un investissement. D'accord, donc un investissement. Et toi, Pentaro, toi, tu as déjà craqué. Moi, j'ai déjà craqué. Donc, tu penses que c'était le bon moment? Moi, si très clairement, vous faites de la vidéo ou vous faites de la photo, que vous shootez déjà en 4K et que vous voulez en profiter chez vous, c'est oui. Si vous avez la fibre et que vous avez Netflix en 4K, c'est oui. Pour le jeu vidéo, c'est non. Voilà, c'est simple. Pas pour jeux vidéo. Non. Pas tout de suite pour jeux vidéo. Ah non, parce que c'est pas 60 FPS et moi je veux du 60 FPS quand je joue. Quoi. Et tout à fond. Pas trop franchi. Tout à fond, ça a le mérite d'être clair. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans cette émission. Moi aussi, c'est ce que je veux. Avant de passer à la rubrique test, on vous l'avait promis, on va lire quelques-uns de vos tweets. Je sais pas s'il y en a eu. En tout cas, Cardel a peut-être surveillé ça en régie. Le hashtag, c'est dièse le JDH, L-E-J-D-H. Et si vous voulez nous poser des questions, faire des remarques sur ce qu'on dit, nous insulter ou nous faire des compliments, voilà, c'est le moment. Allez-y, on va lire quelques-unes des réactions. Si Cardel a quelque chose à nous montrer. Ça arrive, voilà, ça arrive apparemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Il y a des messages sur le chat. Je viens de voir, vas-y. En fait, la 4K pour la VR. Bah justement, en fait, l'expérience VR, enfin, réalité virtuelle optimale, théoriquement, c'est 200 FPS par œil en 4K pour chaque œil. Je répète, 4K par œil, 200 FPS par œil en 4K chaque côté. Et qui a décrété ça? Le mec qui vendait ses GPU? En fait, c'est pour lutter contre le motion sickness. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tests et apparemment, il faudrait cette résolution et cette fluidité. 400 images secondes. 200 images secondes par œil en 4K dans chaque œil. Pour ne plus avoir mal à la tête. Exactement. Sachant que moi, avec mon SLI
de Ti, j'arrive pas à voir 60 FPS sur un écran 4K. Non, mais clairement, on en est loin. Les 200 FPS, tu vois, ils en sont très très loin. Bah écoute, quand on sera à la retraite, et si on fait encore cette émission, on pourra faire un hors-série. Bah non, ça y est, la vraie 4K. On aura plus que deux dixièmes par œil, on verra plus rien, tu sais, donc ça servira à rien du tout. Quand on sera encore là, moi, ça pourrait être sympa. Donc vous pouvez interagir sur le chat aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des petites remarques à faire. Oui, je voulais dire aussi que l'émission est dispo en replay. En replay, si vous avez raté le début ou celle de la semaine, des semaines passées, vous pouvez voir ça sur notre YouTube. Alors du coup, après cette génération de processeurs, comment va-t-on augmenter la puissance? Ah oui, alors ça, c'était rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu disais que la loi de Moore s'était arrêtée, enfin, que c'était plus vraiment la loi de Moore, et que maintenant la fréquence des processeurs ne monte plus. Alors ça, très bonne question. Est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va stagner? Toi qui testes du matos, des processeurs, est-ce que tu as l'impression que les gains à chaque génération sont moins probants qu'avant? Alors après, je ne suis pas dans le secret des laboratoires R&D de chez Intel ou Non, mais tu vois quand même quand un nouveau processeur sort, est-ce que c'est... On parlait de plus 20% pour une carte graphique. Ouais, est-ce que les processeurs, c'est encore 20% à chaque Les processeurs... C'est différent parce que là, concernant le processeur, tout dépend de l'application dont tu parles. Si tu parles de jeux vidéo, non, le processeur ne te fera jamais gagner 20%. Ça fait bien longtemps que ça sert moins de changer son processeur. Hein, d'accord. Non, tout à fait. J'ai un exemple de vie, pour le coup. Parce que moi, j'ai acheté un Cylix 6700K récemment. Ah, celui-là a pris ? Ouais, et avant. Très bien celui-là. Ouais, moi je trouve ça très bien. Et avant ça, j'avais un Core i7 930, c'est-à-dire la première génération de i7. Et concrètement, en jeu vidéo, ça n'a pas changé ma vie, quoi. C'est-à-dire, vrai ma 980. Pourquoi il y a 5 ans, C'est le GPU qui fait tout maintenant. Ah ouais. C'est après, le CPU peut avoir un effet limitatif. C'est ça, s'il est assez puissant. Mais à partir du moment, au-delà d'une certaine limite, effectivement, ça, et on va le voir d'ailleurs sur le portable que je vais présenter tout à l'heure. Puisque là, on a un portable avec un processeur mobile Skylake à l'intérieur, et il se trouve qu'il y a 6-8 mois, j'ai testé le même portable, mais en version Aswell, donc la deux générations précédentes. En termes de performance, il n'y a pas de différence, en tout cas pas au niveau du CPU. Et il se trouve que c'était aussi une 980M, donc même CPU différent et même carte graphique, et on obtenait des résultats en jeu identiques. Il y a beaucoup de gens sur le chat là qui réagissent, qui nous disent « j'ai un vieux i7 930, 920, c'est les premières générations, ça date de quoi ? De d'il y a 5 ans ?» 2010. 5 ans. Et tu vois, les gars disent qu'ils jouent encore avec ça. Oui. Donc effectivement, un bon i7 d'antan, j'ai envie de dire, une grosse carte graphique, ça fait encore tourner les jeux. La seule limite aujourd'hui qui commence à apparaître depuis quelques mois au niveau du CPU, c'est la limite des cœurs. C'est-à-dire qu'on demande très souvent du quad-core dans les spécifications minimum matérielles des jeux. Après, c'est du quad-core, ça passe également avec du dual-core hyper-threadé. C'est-à-dire qu'on a deux corps physiques, mais le système envoie 4 et peut calculer en fait 4 flux de calcul en parallèle. Il y a des mecs qui sont encore 2 duo. Quel bon processeur. Mais je ne sais pas si les gens lisent les guides techniques que je réalise depuis quelques temps sur jeuxvideo.com. Lisez-les. Et je teste en fait régulièrement tous les jeux qui sont sortis, donc Star Wars Battlefront, Fallout 4, sur un vieux corps de duo. Ça doit être un 6850 que j'ai. Ça tourne. Et alors, c'est un corps de duo sans hyper-threading, donc il peut traiter que 2 flux calcul. Et du coup, de temps en temps, ça coince. Ça coinçait par exemple sur Star Wars Battlefront. D'accord. Mais dès qu'on est en quad-core, sur des processeurs pourtant très très vieux comme celui-là, on passe. On passe sans problème. D'accord. En fait, il faut que le processeur, arrive à envoyer les informations à la carte graphique. Assez vite. C'est plus le processeur qui doit tout calculer maintenant. Il doit juste envoyer les infos assez vite au GPU. Relais. Voilà. C'est exactement ça. Après, le CPU peut être limitatif. C'est-à-dire que si on a un CPU de faible puissance avec une grosse carte graphique, la carte graphique, ne va pas être exploitée à son maximum. AMD avait sorti Mantle justement parce qu'ils avaient ce problème de CPU qui n'arrivait pas souvent à être au niveau qui a d'ailleurs été repris chez DirectX 12. Et quand tu vois les CPU Pro, donc les Xeon, qui sont les CPU pour l'industrie, enfin vraiment pour les pros, t'as pas des fréquences délirantes. C'est du 2 Go, 5, 3 Go. Par contre, t'as du 20 cœurs, 40 cœurs, jusqu'à 60 cœurs. Pour les Xeon, donc on voit bien que les mecs n'arrivent plus à augmenter la fréquence parce qu'à un moment donné, il y a des effets de bord au niveau des transistors et ça devient de plus en plus fin. Et pour moi, le vrai futur gap, ça sera l'informatique quantique. Hein.
ça sera vraiment ça qui permettra de nouveau de décupler des puissances phénoménales. C'est peut-être pas pour tout de suite. Bah, ça existe déjà, il y a le D-Wave qui existe, etc. Alors après, il y en a 3-4 dans le monde qu'en ont, si tu veux. Mais je pense que vraiment, c'est ça qui va permettre de rebooster la puissance de calcul pure et brute. Parce que là, ça va commencer à stagner. Là, ça stagne un petit peu. Merci, messieurs. Je propose qu'on passe. C'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Ah non, il y a un petit tweet que je n'avais pas vu. Feras-tu gagner ton t-shirt dédicacé à la fin du live? Oui, je le ferai gagner. Je le ferai gagner, dédicacé. C'est un peu notre Père Noël à nous. C'est fini pour le débat. Et vos réactions, on a finalement pris plus sur le chat. Peut-être qu'on fera comme ça à l'avenir, c'est plus pratique. Et on passe tout de suite au test de la semaine. On va commencer. Krakou me demandait, on va commencer par qui? Je pense qu'on va commencer par toi, alors, Krakou. Parce que je sens que tu es impatient et je sais que tu as du stuff. Je sais que tu as du stuff à nous j'en montrer. J'en ai toujours. Comme j'ai toujours les outils. Hot stuff, c'est Krakou. Et comme Krakou ne fait rien comme tout le monde, il a choisi de montrer deux produits. Mais il va falloir aller un peu plus vite. Du coup, alors je te laisse commencer tout de suite. Exactement. Alors je vais commence peut-être par la souris. On va commencer effectivement par le plus léger des deux, donc la souris. Ici. C'est une RAT Pro X de chez Madcats. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, en matière de périphérique gaming, on a en gros deux tendances. C'est la modularité. On dirait un scarabée. Voilà, c'est la modularité, donc faire des périphériques, faire en sorte que les périphériques s'adaptent à l'utilisateur. Et la deuxième tendance, c'est de faire des périphériques chers. Il se trouve que celle-là, c'est un petit peu la quintessence de ces deux tendances. Ah bon? Alors, j'ai l'impression qu'elle va attaquer l'État islamique tout seul. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un drone qui peut tout détruire. Voilà. Alors, en fait, le principal avantage de cette souris, c'est sa modularité. C'est-à-dire qu'elle est quasiment entièrement démontable et reconfigurable. Je vais la soulever. Alors ici, par exemple, vous avez la molette ici qu'on peut ressortir, dont on peut enlever le pourtour et le remplacer par... Attendez, parce que je me suis entraîné quand même toute l'après-midi pour la monter et la démonter. Ah ouais, parce que c'est des démarches. Hein. Voilà, donc elle est livrée avec deux autres pourtours. Donc un décapsuleur. Un métallique et un en caoutchouc, voilà, que je tiens comme ça. Également, je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais quand on la tourne ici, on voit qu'on a une petite vis ici qui permet de régler la dureté de la molette. Donc si on veut une rotation dure ou si on veut une rotation plus libre, voilà. Donc ça, on peut également enlever les patins ici et les remplacer. Donc là, ici, c'est des patins en céramique. Là, on a des patins ici en téflon. Donc tout ça, c'est livré avec. Hein. En fonction de ta glisse préférée, tu peux changer les patins. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vous montre, on a un bundle d'accessoires qui est assez complet. J'ai tellement peur quand tu vas nous dire le prix. Je rigole déjà, j'ai déjà peur. Également, on peut, vous avez les façades ici sur le côté. Donc, il y a une façade ici de remplacement au cas où vous viendriez à endommager les boutons au niveau du pouce. Vous pouvez également remplacer cette façade-là. Moi, je lui ai par exemple ajouté ici une façade avec un... Attendez, je vais la montrer. Ici, vous avez un petit support, en fait, qui permet de... positionner son petit doigt pour soulever plus facilement la souris. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais laisse tomber. Également, il y a la partie arrière qui se retire et qui peut se remplacer et qui peut également être orientée de différentes manières en fonction de comment on aime prendre sa souris. Sans jeu de mots. Non mais c'est-à-dire qu'en fonction des tailles de main aussi, tout le monde pourra plus facilement y trouver son compte. C'est ça. Ouais. Par ailleurs, derrière, donc, vous avez classique, trois boutons au niveau du pouce. Vous avez un bouton au milieu ici derrière la molette pour. Sur modifier. Chat, ça fait des paris sur le prix. On va lancer un jeu, il faut lancer un jeu concours, ça va parier sur le prix. Il y a des connaisseurs. Vous avez un bouton ici au milieu pour modifier à la volée le niveau de DPI. C'est assez classique, et de toute façon, la fonction peut être reconfigurée grâce au logiciel fourni. On va aller plus vite. Ouais. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Alors, elle a toutes les options aujourd'hui. Il y a juste une dernière chose que je voulais signaler, c'est ici, en fait, la molette peut être tournée à droite et à gauche, sachant que d'habitude, ce type de fonctionnalité, c'est des clics. Ici, Madcats a mis un basculement analogique, c'est-à-dire que plus vous appuyez, vous pouvez choisir en fait la force que vous appliquez et elle va se reproduire à l'écran. C'est dingue. Bon. C'est...
Je suis abasourdi, quoi, ce truc. À l'usage, rapidement, moi, ça fait à peu près 10 jours que je l'essaye. Ça rappelle un peu le produit Razer à 160€ que je vous avais proposé il y a quelques semaines. À l'usage, c'est vraiment un produit très très agréable, qui n'a pas réellement de défauts. C'est marrant parce qu'on ne dirait pas comme ça. Tu sais, elle est tellement agressive, tellement complexe. Ah non, vraiment, c'est, on ne se dit pas qu'elle a un vrai plaisir. Bon, elle a des, on peut voir qu'elle a des parties métalliques au niveau de sa structure et pourtant, c'est un alliage de magnésium. Elle est vraiment très très légère. Elle fait à peine 105 grammes, je crois. Un alliage de magnésium dans ta Après, voilà, le problème, c'est son prix. Hein, alors puisque, attention, comme je le disais. Attention, roulement de tambour, la douloureuse. Tambour, son prix, c'est, alors, ça dépend des revendeurs. Je l'ai vu cet après-midi entre 170 et 200€. Sachant que le prix conseillé, le prix conseillé, me semble-t-il, c'est 200€. Voilà, un sacré coup. Alors. Voilà, encore une fois, c'est un très bon produit, très efficace, mais à ce prix-là, c'est clairement un produit qu'on prendra vraiment que pour se faire plaisir et si on a les moyens, quoi. 200 balles, la souris, quoi. 200 balles. Tu sais, je vois déjà le nombre de mecs chez eux, tu sais, qui ont leur souris, tu sais, à 5€ Leclerc et qui jouent et qui sont des tueurs à plein de jeux et qui se disent « Ah, non, c'est bon pour moi ». Mais il y a une notion de se faire plaisir. Clairement, c'est un bel objet. Le package est super. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais il est aussi livré avec une sacoche rigide. C'est un bel objet. Ouais, si on a envie de se faire plaisir, voilà, on n'aura pas de regrets. Après, effectivement, si on veut une très bonne souris, sans avoir à payer 200€, il y en a des très bonnes à 60, 70, ouais. 80. Okay. Voilà. C'est bien parce que ça nous aura permis de voir ce qu'est un peu la Rolls des souris aujourd'hui. Quoi. C'est quand même toujours sympa de voir ça. Puisqu'on parle de Rolls Puisqu'on parle de Rolls, justement, t'avais... frotte les mains parce que moi, j'aime bien ça. T'avais un bon gros laptop à nous montrer. Alors, déjà, la dernière fois, tu m'avais fait rêver. Voilà, Il y a 15 jours, je vous avais présenté le G752 de chez Asus. Eh bien, ici, on a son concurrent direct, qui est le MSI GT72S. D'accord, que ça n'a pas de jaloux. Hein. On monte les deux. Alors. Oh, attendez. Je reprends ma fiche technique. Voilà. Regardez, on le voit à l'image. Donc, il est beaucoup plus funky celui-là, hein, en termes de style. Il est plus classique. Moi, personnellement, je préférais le Asus. Il est un peu plus massif que le Asus. Hein. Il est, je crois, un peu plus épais. Et puis, bon, c'est vrai qu'il fait son poids, clairement. Au niveau des composants, on est exactement sur la même ligne que Asus, c'est-à-dire c'est du gamme, i7 6820K, du 16Go de RAM, en tout cas pour ce modèle, et une GTX 980M en circuit graphique. Sachant qu'il peut embarquer, alors il y a énormément de configurations différentes sur le marché. Hein. On peut avoir du 8Go, on peut avoir du 8Go de RAM, on peut avoir de la GTX 970, pardon. Je crois qu'on peut avoir avec et sans G5. D'ailleurs, au niveau de l'écran, celui-là, donc G-Sync, pardon, au niveau de l'écran, c'est un EDP, donc c'est un équivalent d'un écran IPS. Donc, et il est G-Sync, là, ton écran ? Celui-là est G-Sync, ouais. D'accord. Donc, sur 75 Hz. Derrière, les différences notables avec notamment le Asus, lui aussi n'aura pas de gestion Optimus, c'est-à-dire qu'il ne basculera pas entre le GPU NVIDIA et le GPU AMD. Il ne mise pas sur l'économie d'énergie. Intel, hein. Pardon. Par contre, le GPU Intel sera accessible avec un reboot. C'est-à-dire que si jamais vous l'utilisez dans un train, c'est un peu bon. Ouais, on peut passer en mode éco en passant sur le GPU du processeur. Si jamais il est sur batterie, on peut passer en mode économique, rebooter et gagner en autonomie. Donc on a au moins cette option-là de plus. Il y a ça. Également, il y a énormément d'entrées et sorties. Il y a 6 ports USB. C'est en général, les portables de ce type, notamment le Asus, tournent plutôt autour de 4-5. USB 3. Ouais. Il y a également pas mal de largesse au niveau des emplacements de stockage. On peut mettre 4 SSD au format M2. Et un disque dur au format 3 pouces et demi. Donc c'est pareil, le blindé. C'est une dotation assez... Après, il fait 8 kilos, mais c'est pas grave. Assez large, comme je l'ai dit, il est assez massif. Hein. La grosse amélioration par rapport notamment à la précédente génération de ce modèle que j'avais testé, c'est la gestion du refroidissement. Je vous avais dit il y a 15 jours que Asus était une référence à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils le sont toujours. Là, aujourd'hui, au niveau du GT72, MSI a quasiment rattrapé son concurrent. C'est-à-dire qu'en pleine charge, un G752, moi, je l'ai mesuré en gros entre 39 et 40 dB de nuisance sonore. Celui-là, il est entre 40 et 41.
Ah, c'est dans un mouchoir de poche. Voilà, okay. La précédente version de ce modèle, je montais à 47-48. Donc c'est fini, donc les aspirateurs. C'est fini les aspirateurs. Ouais. Il est vraiment très efficace et en même temps très silencieux dans sa gestion du refroidissement. Alors après, vous avez un clavier, je ne sais pas si on le verra bien à l'écran. Voilà. Si, on le voit très bien. Voilà, vous avez un magnifique rétroéclairage. Alors pour le coup, c'est plus clinquant que ce que Asus proposait. C'est une question de goût aussi. Hein. Mais c'est pareil, c'est une question de goût. Entre ce modèle-là et le modèle Asus que je vous avais présenté, lequel on choisit, C'est peut-être pas le même prix. Alors en fait, si, ils sont à peu près dans les mêmes plages de prix, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de modèles différents en fonction des revendeurs, que vous ayez chez Matnet, chez Grobil, chez LDLC ou d'autres, vous aurez des prix qui varient en fonction des composants entre 1800 et 2500 euros. Ouch. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme, c'est les prix du haut de gamme. Et en fait, le choix entre les deux portables qui sont tous les deux très bons, que ce soit le Asus que j'ai présenté il y a 15 jours ou celui-là, ce sera, je dirais, sur une opportunité de promotion. C'est-à-dire qu'au moment où vous voudrez en acheter un, vous tomberez sur une promotion où le premier sera 100 euros moins cher que le deuxième. Et à ce moment-là, il faudra y aller. Il y a une dernière chose que je voudrais signaler sur ce portable. MSI met en avant le côté démontable du circuit graphique. C'est-à-dire qu'il est monté sur une carte, en fait, au format... Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est MXM. Oui, c'est MXM. Je ne sais plus, mais en gros, on peut enlever la carte graphique. Voilà, en gros, on peut enlever la carte graphique. Et la changer. Ah, alors, ça, c'est super. C'est super, sauf que aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce que va être la prochaine génération de cartes graphiques mobiles. C'est-à-dire que l'année prochaine, premier semestre, on va avoir Pascal qui va arriver chez Nvidia. Et rien ne dit que les modèles comme ce portable ne vont pas intégrer Pascal. Et du coup, rien ne dit que Pascal sera compatible avec ce type de montage. D'accord, donc c'est une option, mais... De même, Nvidia pourrait très bien dire « Ok, on ne met pas Pascal sur mobile tout de suite et on glisse entre Pascal et cette génération actuelle de cartes graphiques une autre génération Maxwell. » Et à ce moment-là, effectivement, la compatibilité pourrait se faire. Mais comme on a un doute à ce niveau-là, effectivement, en temps normal, notamment... Quand Nvidia était passé de ces 880M au 980M, c'était vraiment une fonctionnalité intéressante parce que plutôt que de racheter un portable pour monter en performance, on avait juste à racheter un module graphique. Là, c'est pas un critère d'achat sur lequel il pourrait se fonder. Okay, la fonctionnalité reste intéressante. Ok, merci Krakou de me faire rêver chaque semaine avec des machines que je pourrais pas payer. Écoute, moi ça me fait plaisir. Mais j'avoue que c'est une belle bête aussi. Surveillez les promos pour vous payer un truc pareil. Le plastique sur les côtés, je trouve ça vraiment dommage en fait. Tu vois, d'avoir autant de plastique autour de l'écran. Ah, autour de l'écran, ouais. Alors moi j'aime bien en fait, c'est quand l'écran il y a vraiment. Borderless. Ouais. Alors que là je trouve que ça fait un peu old school. Ah, tu es un esthète Pentaho. Mais la finition sur le dessus est très sympa. On va. Justement, Pentaho, je vais m'attaquer à toi parce que toi aussi tu avais des. Enfin, des produits, je crois qu'on monte en gamme à chaque fois, là c'est des produits d'exception. Ouais. Parce que tu vas nous montrer un écran, et quel écran? Voilà, de quel écran vas-tu nous parler? L'Acer X34, donc le Predator X34 de chez Acer. Un écran G-Sync au format 21/9, donc c'est pas un format 16/9. Alors on l'a là, est-ce que, si t'es costaud Pentaho, est-ce qu'on le tenterait? Est-ce que tu irais pas le prendre sur tes genoux? Allez. Ça va être ridicule, mais, voilà. Mais c'est pour que les gens se rendent compte un peu de du bestiau. Ah, voilà. Ouais, voilà. Voilà, donc là en fait tu vas renvoyer les rayons du soleil. Du coup, c'est un capteur solaire et en fait, tu vas sauver la planète. Je suis là, je suis plus là. c'est fou. Voilà, et en fait ce qui est génial, donc au début j'étais vraiment pas très motivé par le format 21/9. Pourquoi? Parce que les rares jeux PC auxquels je joue, moi c'est les jeux Blizzard. Donc Heroes of the Storm, c'est un écran vraiment tout en longueur. Et du coup, comme ces jeux-là ne supportent pas le ratio 21/9, il y a des bandes noires qui s'affichent de chaque côté. Ah, donc en fait, ton jeu, il est au milieu. Voilà, il est au milieu, t'as des bandes noires de chaque côté. Ça, c'est pas très élégant. Donc, de quoi? J'ai pas entendu qu'un. Oui, voilà. Voilà, donc fais un plan large de toute la scène s'ils veulent voir un peu à quoi ça ressemble, parce que voilà, vous voyez un peu... Voilà, c'est un peu tu énorme. Peux jouer de l'accordéon. C'est ça, ou de la basse. Bref, et en fait, du coup, j'étais pas très fanat de ce truc-là, et puis ensuite, j'ai pu jouer à Star Wars Battlefront et à Witcher 3, et là, j'ai changé d'avis. Là, ça t'a calmé. Parce que, je sais que Cardell a des assets magnifiques que j'ai préparés avec amour. Où on voit justement, Witcher 3, au fond. Alors là, les gens ont des écrans 16/9, donc ils verront pas forcément le ratio. Mais... Et en fait, vous avez des bandes noires sur le format 16/9, parce que c'est le format cinéma.
Ouais. Donc quand vous regardez des films en cinémascope ou des trailers de Star Wars 7, par exemple, vous n'avez aucune bande noire sur votre écran. Donc c'est vraiment l'expérience cinéma. Donc là, t'as rien, t'as que le jeu, exactement, tout en longueur et avec un champ de vision de ouf. Parce que là, en fait, tu vois beaucoup plus large autour de ça. C'est juste fabuleux. Donc c'est le UWQHD. Voilà, donc c'est du 3440 par 1440. Alors on parlait de résolution là, en gros c'est du 1440. Donc en fait c'est l'équivalent de l'écran qu'a Chrono, mais en plus long. Exactement, en plus long. Moi je suis à 3440 où lui il était en 2560, c'est ça? Voilà, exactement, donc on a plus de largeur. Alors pour bosser c'est absolument fabuleux. Parce que je peux mettre deux fichiers Excel, un navigateur, un Word, un Skype, enfin c'est juste... En fait t'as un vrai... T'as deux écrans en un, c'est un biais. Ah, c'est trois écrans en un. Là. C'est trois écrans en un. Là, c'est vraiment trois écrans en un. Et donc, tu vois, je me suis amusé à jouer aussi à des jeux indés. Donc, il y a des jeux indés qui supportent le 21/9. Ah, Broforce marche. Donc, Broforce fonctionne en 21/9. Donc, tu vois, Blizzard ne fonctionne pas. C'est vraiment la honte pour eux. T'imagines, Hots, Heroes of the Storm là-dessus. Les yeux, non, mais ça les jeux à ne pas fonctionner. Pour Blizzard, pour le coup, parce que Heroes of the Storm, c'est un jeu compétitif. Où oui. Tout le monde oui. Ait accès à la même. Mais c'est ça, justement, voilà. Et donc, c'est regarde, ce que j'allais dire. Et là, un vieux jeu, c'est East Origins. Voilà. Et il marche aussi en 21/9. Voilà, c'est vraiment petit bonheur la chance pour les jeux. Honnêtement, Penthouse, c'est super cool. Ça doit être hyper impressionnant dans The Witcher. Mettez dans Counter-Strike. Et du coup, tu vois les mecs qui sont planqués sur le côté et que les autres ne voient pas avec leur écran normal. Moi, je n'autoriserais pas ça en compétition. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont un avantage. Ben voilà, et c'est justement... La plupart des jeux aujourd'hui fonctionnent en 21/9, hein, en fait. Ouais. Mon frère en a un, d'ailleurs. La plupart des jeux fonctionnent, c'est juste les jeux qui sont sur la scène e-sport ou compétitif, outre mesure, qui ne permettent pas. Ah, c'est de la triche. Bah oui, parce que c'est ça équivaut à de la triche, littéralement. Regarde, là, on voit Star Wars Battlefront en ultra. C'est vrai, il y en a plusieurs. Voilà, Star Wars cet après-midi. Voilà. Donc regarde, en fait, t'as ça devant toi, tu t'y crois, quoi. C'est vraiment, t'es au cinéma et t'es dans ton TIE Fighter. Et donc imaginez sans les bandes noires, parce que là, pour l'écran, on n'a pas de bandes noires. Par contre, en termes de puissance de calcul au niveau du GPU, il faut un GPU d'enculé. Hein. Il faut parce que c'est juste en dessous de la 4K. Voilà, donc moi, j'ai bon trié Celi et j'atteignais 40-50 FPS. Ah ouais. Tu vois, donc c'est super. C'est parce que c'est pas optimisé pour le Voilà, alors justement, j'ai gueulé auprès d'Nvidia en disant les gars, c'est... Non, je te jure, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ceux qui m'ont prêté l'écran, donc ils pensaient faire une bonne chose. Je suis allé les voir en disant non, mais les gars, c'est du foutage de gueule, j'ai pas mon 60 FPS avec le PC. Ah, c'est l'exigence. Hein. Ah, exactement. C'est et ils m'ont dit, oui, mais tu sais, il y a que 8 jeux sur 10 qui sont optimisés pour du double SLI et que 4 jeux sur 10 qui sont optimisés pour du tri SLI. C'est-à-dire que le tri SLI, c'est voilà, vaut mieux avoir SLI qu'un spécialiste. Exactement. Et donc, au niveau de l'investissement, tu t'y retrouves pas. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ils m'ont conseillé, ça va être pour la petite anecdote, de faire un double SLI et le troisième TI l'a dédié en fait au physics, au moteur physics, plutôt que de faire un tri SLI. Donc, alors que 750 suffirait pour ça. Voilà, mais... voilà, en tout cas, donc c'est... On a parlé de la résolution. Ouais. Donc il fait G-Sync. Parlons de l'écran en lui-même. Donc, l'image est-elle belle? Le contraste est-il bon? G-Sync, parle-nous de tout ça. Voilà, donc il est G-Sync, ce qui fait que même si j'atteins pas les 60 FPS, c'est quand même fluide, parce que G-Sync, justement, compense ce manque-là. Je me suis amusé aussi à lui rentrer dans l'art où j'ai mis une résolution plus basse, j'ai mis de la Full HD. Mais j'ai toujours mon tri-SLI, donc je suis monté à 256 FPS sur Diablo 3. Ah, c'est bon. Et là, du coup, bah, le G-Sync clash parce qu'il fait que du 100 Hz. Donc il est un peu limité, c'est pas du 144 Hz. D'accord. Et du coup, quand t'es trop haut pour lui, bah, t'as toujours du tearing qui réapparaît parce que le G-Sync suit pas. Quoi. D'accord. Donc ça, c'était vraiment pour le troller un peu l'écran. Après, l'upscaling est très très correct. Hein. Ah, ouais, non, mais vraiment, il est super. Sur ce modèle. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester cet après-midi. Là. Bah voilà, donc j'ai prêté à Krakou, j'ai pitié de lui, tu vois, je l'ai prêté à Krakou. Je lui ai dit, tiens, vas-y, profite-en un peu, parce qu'il a un peu de mal à avoir du matériel de temps en temps. Ah, ça chante Krakou. Donc, vraiment, je pense qu'il faut attendre qu'il descende de prix. Avoir le modèle. Ah, le prix, le prix. 1300€. Voilà, un bon SMIC. Voilà, t'as un SMIC. 1300, mais c'est même pas un SMIC, c'est moins. Hein, voilà, 1300€, bah écoute, c'est un petit cadeau de Noël. Ça coûte un SMIC EX en fait. Voilà. Encore une fois, c'est un bel objet quoi. C'est un bel objet. Voilà, moi j'attendrai la version 144 Hz personnellement. Donc maintenant, je suis convaincu par le format 21/9. Je l'étais pas du tout avant de le tester. Donc maintenant, je suis convaincu, mais si Bilibili adapte ces putains de jeux en 21/9. Ouais, parce qu'en gros, voilà, il y a quand même pas mal de jeux. Il y a des jeux où tu vas avoir deux bandes noires sur le côté et ton écran au milieu. Exactement. Alors, est-ce que tu peux peut-être t'adapter et foutre, je sais pas, Skype, rien du tout. Non, parce que comment quand tu joues en full screen, en fait, moi je joue souvent en full screen, t'as les deux bandes noires de chaque côté et ça fait pitié. Ouais, quoi. Ouais, d'accord. Vraiment, c'est horrible. Donc, Bilibili, si tu nous écoutes. Sors-toi donc les doigts. C'est donc l'Acer Predator X34. Et j'imagine quand même que... Donc il y a un hub USB 3 dedans, donc tu peux linker pour avoir bien sûr des ports USB 3. Port display.
Et voilà, donc il est beau. HDMI 2.0. Et c'est un alien, c'est un ovni ou c'est quelque chose qui se fait de plus alors en plus non, ces ça, écrans-là. C'est une première en fait. Enfin, c'est le premier 34 pouces G-Sync. Tout simplement. Ouais. En 21 degrés. En 21 degrés, ouais. D'accord. Là, pour le coup, effectivement, c'est il est seul sur son créneau. Voilà, le 34. Il faut avoir un grand bureau, hein, parce que j'ai déjà un grand bureau, mais là, c'était. Tu m'étonnes. Parce qu'en plus, il est un peu incurvé. Voilà, voilà c'est la totale, quoi. Donc après, pour ceux qui sont encore God tier, ils peuvent en acheter 3 comme ça. Et en fait, tu peux. Bah, les ceux, oui. Tu peux en acheter 3. Tu peux en acheter 3 et en fait, les linker, et ça sert beaucoup pour faire de la simulation de vol. Parce que là, ah pour ouais, le coup, là, t'as là, vraiment. Regarde, Cardel nous le montre. Voilà, ah oui, mais là, exactement. T'as une périphérie à 180 degrés, carré, quasiment. Et là, il te faut quel PC. Et bah, là, en fait. typiquement, je l'ai vu tourner. J'ai vu une configuration comme ça tourner sur du Project Cars, par exemple. T'as vu Project Cars là-dessus? Mais ça doit être un. Ah bah oui, ça doit être vénère. Un petit effet, quoi. C'est ça. Parce qu'en plus, comme c'est un curvé, là, t'es vraiment. Ah, exactement. Englobé dedans, c'est vraiment. Enfin, c'est pour ça que moi, je disais que j'aime beaucoup les écrans incurvés, parce que t'étais vraiment englobé un peu, t'étais en immersion dans l'écran. Et donc, il est assez fabuleux. Bon, donc, voilà, bah écoute. Donc attendez la version 2.0 de celui-là et il sera parfait. Bah écoute, pour ceux qui ont 3 900 €, qui veulent se faire un petit projet de car sympa, 3 900 € juste pour les écrans, et qui après veulent acheter un petit PC à, je pense, 4 500 € pour espérer faire tourner quelque chose, c'est ça. Bah voilà, Pentaho a testé pour vous. C'est ça. Et c'est. Bah en tout cas, c'est un truc qui fait rêver. Je pense que je pourrais pas trop me le payer, mais. Bah avec les subs et tout ça. Ouais. Merci de me vendre du rêve, Pentaho. Et on va se garder, bah voilà, à la fin de l'émission, pour parler d'un autre truc qui nous intéressait vachement ici. En tout cas, nous, je sais qu'en interne, on en parlait pas mal. C'est les fameux téléphones Lumia de Microsoft, les 950 et 950 XL qui viennent juste de sortir. Voilà. Pour la petite histoire, jusqu'ici, pour nous, Windows Phone, on les prenait à la légère. C'est-à-dire que tu les prenais à la légère. Je suis team Android, il y a des gens qui sont team iPhone, voilà, et le canard boiteux, c'était un peu Windows Phone, tout le monde rigolait. Enfin, Windows Phone, il n'y a pas d'appli, c'est moins bien, les téléphones sont moins puissants, etc. Et là, bim, Microsoft arrive avec ces deux téléphones-là, et apparemment, ils font très mal parce qu'il y a beaucoup de tests très positifs. Chrono, tu as la chance de posséder les deux modèles. T'es comme ça, toi. Moi, je suis Est-ce que tu peux nous résumer simplement ton expérience, peut-être nous parler du 950 en premier? Oui, de toute façon, je ne vais pas m'attarder longtemps sur le 950 parce que les spécificités des téléphones, finalement, sont relativement similaires. D'accord. Je vais dire les différences très rapidement. Ça se joue au niveau du processeur. C'est-à-dire que celui-là, c'est un hexa-core Snapdragon 808, alors que celui-là, c'est un octo-core 810. Donc tu disais tout à l'heure que Windows Phone, souvent technologiquement, c'est en retard. C'était vrai. Aujourd'hui, ils ont décidé de taper dans du lourd en termes de performance à proprement dire. Donc ils ont décidé de faire quelque chose d'un peu plus, littéralement haut de gamme. C'est pas en retard, quoi. C'est pas en retard, c'est exactement ça. Donc les deux ont 3 gigas de RAM. Les téléphones, en fait, ils ont un aspect un peu plastique, ce que moi, je trouve personnellement dommage vis-à-vis des modèles 930 notamment, où en fait, tu avais une lisière autour en aluminium qui était plutôt agréable à regarder. Mais ça se justifie en tout cas par deux choses. Premièrement, les coques sont interchangeables et il y a des accessoiristes qui sortent des coques avec justement cette lisière en aluminium. D'accord. J'ai pas encore reçu ma coque, mais moi j'en ai commandé une parce que c'est vrai que l'aspect plastique, ça me dérange un petit peu. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que pour du haut de gamme, il y a un truc que ces téléphones-là font, que beaucoup dans le segment haut de gamme ne font pas, c'est que la batterie est amovible et que tu peux rajouter de la mémoire avec une carte SD. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que là, j'ai rajouté une carte de 200 gigas micro SD, donc un timbre poste 200 gigas en plus dans mon téléphone. Du coup, je pourrais filmer en 4K des tas de choses. Et donc, ça fait partie des petites choses. Après, là où clairement il y a un problème, et ça sera à mon avis le cas pendant encore un petit moment sur Windows Phone, ça a tendance à vouloir s'améliorer. En tout cas, ça promet de l'amélioration vis-à-vis de Windows 10 qui uniformise les applications entre le PC, les téléphones et potentiellement la Xbox. C'est les applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Windows Phone, toutes les applications qu'on a partout ailleurs, en termes de jeux ou même d'applications pratiques, hein, soit elles sont en retard, soit elles sont inexistantes. Alors ça, c'est justement, t'a parlé du téléphone, il est puissant, il a une bonne qualité de fabrication, il a un très bel écran, ça, c'est un haut de gamme d'aujourd'hui. C'est un haut de gamme d'aujourd'hui. Par contre, moi, ce que j'attendais vraiment, et ça, Pentaho me tanne avec ça depuis 2 ans, c'est qu'en fait, c'est le vrai Windows Phone. C'est Windows 10. Voilà. Alors, ce qui est intéressant. Moi, je me disais, j'ai plus besoin d'appli, je m'en fous. Je prends les vraies applis Windows. Alors, non. Est-ce que ça marche, ça? Alors, pas du tout. Enfin, oui, les applis Windows, ça marche. Par contre, les exécutables
x86 oui, et tu compagnie, vas pas installer Battle.net et Diablo 3 dessus. Non, 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 voilà. Ça marche pas. Ouais. Par contre, là où c'est assez intéressant, c'est que c'est le premier téléphone qui est fait par l'équipe qui fait Surface. Donc, ouais. En fait, il y a un système de refroidissement interne dedans. D'accord, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne concrètement. C'est l'équivalent de water cooling, en fait. C'est comme le water cooling pour PC dans le téléphone. C'est un water cooling hybride. La batterie, pour l'instant, elle tient plutôt bien. Mais en termes d'application, on n'est pas encore à pouvoir installer des trucs de son PC sur son téléphone. Non, ça, c'est du fantasme. Par contre, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a deux projets, en fait, en cours. Il y a le projet Astoria et le projet Islandwood de tête. Et Astoria était présent dans les builds Insider pour Windows 10, mais qui ne sont pas compatibles avec celui-là, où tu peux installer des applications Android sur ton téléphone. Pour l'instant, c'était un peu une sorte de... Ah, une émulation des applications. Une émulation directe qui fonctionnait. Alors du coup, ça réglerait pas mal de problèmes, parce que tu aurais toutes les applications Android. Alors, tu pourrais éventuellement... Il y en a, moi, j'en ai... iOS, c'est Islandwood. Pour l'instant, c'est pas encore... On n'a pas encore eu l'occasion d'essayer ça, mais en tout cas, Astoria, à un moment donné, il y a un gars qui a trouvé un code, et du coup, moi, j'ai pu essayer quelques applications, ça fonctionnait. Il y en a qui ne fonctionnaient pas, mais bon, globalement, ça fonctionnait. Mais le problème, c'est que Microsoft, pour l'instant, a mis le service en pause. C'est-à-dire que pour l'instant, ils essaient de miser sur le fait que Windows 10 en desktop est en train de gratter Carton, à fond. Mmh. Et donc, du coup, ils se disent, vu qu'il y a une grande plage de devices sous Windows 10, les développeurs vont peut-être faire un petit effort, surtout qu'ils ont amélioré la portabilité, etc. Vont peut-être plutôt qu'émuler les autres, peut-être que c'est le moment de les attirer. Exactement. Chez nous. Et en fait, ça a tendance, là les téléphones viennent juste de sortir, mais ça a tendance à arriver. Il y a les nouvelles versions, enfin une version correcte de Facebook, des trucs comme le Figaro, enfin tous les trucs commencent à sortir, et surtout ils le sortent tous en mode universel. C'est-à-dire que ta même application que tu l'as aussi sur ton ordinateur et c'est la même interface et c'est pareil. Et justement, c'est une excellente transition. C'est du cross-buy. C'est du cross-buy, c'est du cross-save, c'est du cross-tout. Donc, en gros, si tu commences ton Lara Croft Go sur ton ordinateur, tu peux continuer sur ta Surface ou ton Acer, ton Asus, n'importe quoi, et le continuer sur ton téléphone dans le métro avec la même sauvegarde, etc., etc. C'est sympa. Et là où ils vont un peu plus loin, au-delà du fait que tout ce qui est OneDrive, donc quand tu prends une photo, c'est sur ton dossier Mes documents OneDrive de Windows 10, etc., c'est qu'ils ont sorti ce petit boîtier. Ce petit boîtier qui s'appelle, qui permet de faire le Continuum, ça s'appelle le Display Dock de tête. Et c'est un boîtier assez sympathique. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir le montrer concrètement. Voilà, on le voit, regarde, voilà, on voit à l'écran. Mieux, là, En fait, tu peux brancher ton téléphone au boîtier. Et derrière le boîtier, tu as plusieurs ports HDMI. Donc, tu as un port HDMI, un DisplayPort. Tu as trois entrées USB. Et en fait, tu peux mettre ton téléphone. Tu branches un clavier sur, par exemple, sur un USB. Une souris sur l'autre. Tu branches une souris sur l'autre USB. Tu mets n'importe quel écran avec le port HDMI ou bien DisplayPort. Et là, en fait, tu retrouves l'interface de ton PC, pas du téléphone, une interface PC sur l'écran en fait, qui est affiché avec ta souris et ton clavier. Et du coup, tu te retrouves à avoir une navigation Windows 10. Là, en fait, tu es en train de me dire que j'ai plus besoin d'avoir un ordinateur portable. Alors, on en est j'ai, pas j'ai encore. J'ai ce petit boîtier et mon téléphone, une souris, un clavier, n'importe où, et un écran, et j'ai mon ordi. J'ai mon ordi de chez moi. Alors, si on veut être très enthousiaste, on dit oui. Ouais. Mais on va temporiser un peu en disant que pour l'instant, en fait, déjà ça fonctionne très bien. Moi j'ai essayé juste avant de venir, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que déjà le petit avantage avant d'entrer dans le détail là-dessus, c'est que quand tu mets ton téléphone en mode continuum, tu peux continuer de l'utiliser. Il n'est pas bloqué parce que les processeurs sont assez puissants multitâche, pour que tu puisses faire des choses sur l'ordinateur et sur le téléphone. Et en fait, imaginons que tu es un homme d'affaires et que tu es à l'hôtel, tu n'as pas envie de te trimballer avec un ordinateur portable, etc. Tu as tes Excel, tu as ton PowerPoint ou bien tu as ton Word sur ton téléphone. Eh bien, tu peux brancher ton clavier, ta souris et une clé USB en plus, ou bien un disque dur externe parce que ça fonctionne. Hein. Donc, tu branches un disque dur externe parce que tu as un explorateur de fichiers comme sur Windows. Et hop, tu fais ton travail avec les vrais logiciels Word, Excel, etc. Donc, du coup, à ce niveau-là, c'est concrètement très intéressant. Le défaut pour l'instant, mais c'est un défaut de jeunesse. En fait, pour l'instant, il a quand même quelques défauts de jeunesse, l'OS Windows 10 sur mobile. C'est que les applications Continuum sont principalement des applications développées par Microsoft aujourd'hui. Par exemple, j'ai une application YouTube qui n'est pas par Microsoft, qui est Continuum. On va dire un Halo Spartan Assault ou un Modern Combat, par exemple, que tu joues au clavier souris, pourquoi pas, ça peut s'envisager, tu vois. T'as Photoshop aussi, hein. T'as Photoshop, mais Elements, c'est la version Express. La version Lite, Express, mais quand même, tu peux faire du Photoshop en Express via ton téléphone sur un écran clavier souris. Ok, alors pour moi, ça, c'est vraiment la killer feature. Enfin, c'est le truc qui le différencie de tous les autres, tu vois. Oui, mais par contre, le truc qu'il faut avoir en tête quand même, c'est qu'il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, en termes d'application, si tu veux avoir ton Snapchat, tu peux pas. T'as des moyens de pallier à ça. Souvent, t'as des applications tierces, etc. Mais il faut encore se débrouiller un petit peu. Mais aujourd'hui, tu vois, les développeurs, c'est un cercle vicieux parce que
pour avoir des applications, il faut une base installée. Et pour avoir une base installée, ben, il faut des applications. Et donc, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses dont moi, j'ai rêvé quand j'étais plus jeune. Tu vois, t'imagines, t'as ton téléphone, tu le mets n'importe où et hop, ça devient un ordinateur. Ouais. Et ça fonctionne bien, l'interface fonctionne très bien avec un vrai gestionnaire de tâches. Alors, des défauts de jeunesse, mais en tout cas, c'est encourageant. Je vais demander quand même son avis à Pentaro qui doit trépigner parce que c'est un produit que tu attends depuis très très longtemps. Toi aussi, du coup, tu te l'as acheté. Ouais. Le XL. Le XL. Ouais. T'as pris le XL, ça ne m'étonne pas, toi. Le plus puissant, le plus grand, le plus. L'Octocœur. L'Octocœur. Mon petit cœur a fait boum. Voilà. Hein, est-ce que t'avais déjà, du coup, un Lumia avant? Ouais. Parle-nous juste de la différence. Voilà. Toi qui étais déjà utilisateur de Lumia, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Est-ce qu'il y a des trucs mieux, des trucs moins bien? Et qu'est-ce que tu penses de ce côté Continuum et les applications? Moi, le côté en fait, Continuum, je n'ai pas pu tester encore parce que j'attends mon petit boîtier magique. Par rapport au 930, il est plus rapide, écran plus grand, forcément, plus rapide. Voilà, c'est le Windows 10 natif qui est dedans. Moi, sur 930, en fait, c'était les builds insiders, donc les builds de bêta de Windows 10, donc on avait des plantages, etc. Pour être honnête, la seule chose que je suis un peu déçu, c'est la disposition des boutons volume sur et pour côté. Éteindre, allumer, parce que du coup, je sais pas si on voit, c'est assez rapproché et des fois, quand tu baisses ou pas c'est le volume, tu relogues ton écran. Mis à part ça, c'est parfait. Il y a Windows Hello que j'ai pu configurer avec Chrono, où justement maintenant, tu rapproches ton téléphone de tes yeux, il te détecte automatiquement et il te déloque. Donc là, tu vois, par exemple, hop, il te reconnaît automatiquement. C'est une reconnaissance rétinienne avec la webcam frontale en fait. Il y a plusieurs choses intéressantes dessus. Je vais revenir sur les specs du téléphone parce que j'en ai pas parlé du tout, mais en fait, alors premièrement, reconnaissance rétinienne, donc c'est vraiment à la rétine unique. Si vous êtes vrai jumeau, ça fonctionne pas. Si tu mets une photo, ça fonctionne pas. Tu peux pas déverrouiller ton téléphone. Ça prend environ un peu moins de 2 secondes hein, quand tu le déverrouilles. Tu le tiens, tu appuies sur le bouton, tu le tiens comme ça. Et paf, c'est bon, c'est déverrouillé. Bonjour Tanguy, et c'est déverrouillé, ça fonctionne. Mais donc moi j'ai la reconnaissance digitale et maintenant je passe pour un has-been. Ta reconnaissance digitale ira un peu plus vite. Oui, tu passes pour un has-been. Non mais ça ira un peu plus vite, mais là ça prend un peu moins de 2 secondes. Ouais. Donc t'appuies, ça le déloque avec tes yeux, ça fonctionne. Ça c'est assez, j'ai essayé aussi, ça fonctionne la nuit, le noir le plus complet. Ça fonctionne la nuit. Ça fonctionne avec des lunettes de soleil. Ouais. Ça fonctionne avec des lunettes de soleil. C'est craqué. Ça fonctionne avec des lentilles et ça fonctionne avec les trois facteurs réunis. Franck, fais-le. T'as une petite lumière rouge en fait. Donc là en fait, je pense qu'il balance dans l'infrarouge et comme ça. Pas besoin de te rapprocher, non, tu le tiens normalement, hein. Tu le tiens absolument et en normalement fait, quand et t'es ça pas te. Moi, et ben il te dit. Il va pas, ça va pas mais marcher. Vous allez me faire vendre mon S6. Mais oui. Non, mais je le dis. Et du coup, d'un point de vue des specs. Rapidement, donc c'est un écran. Il faut aller très vite, là, il reste 2 minutes. Ouais. C'est un écran quad HD, donc 2560 par 1440. Octocore pour le XL, 6 cœurs pour le normal. C'est du quad HD. En mémoire embarquée par défaut, il y a 32 gigas. Ah, il n'y a pas de 16 gigas. Non, merci. C'est 32 gigas. Et en par plus, défaut, y a un lecteur et tu de peux SD. Rajouter des cartes SD. Ouais. La batterie tient plutôt bien la route. En tout cas, sur le XL, le temps qu'elle se rôde, j'ai pu essayer. C'est une batterie de 3300, je crois. Ouais, c'est pas mal. Et sur le normal, c'est du 3000, ça tient plutôt bien la route, et surtout comme c'est de l'USB-C, donc c'est plus du micro USB. Ah, on se trompe plus quand on branche le. Non, voilà, il n'y a plus de sens. C'est de l'USB-C, et en fait, ça se charge très très vite. Tu gagnes 10% en, je sais pas, 3-4 minutes, donc tu montes à la moitié en une demi-heure. La charge rapide. Ça monte très très vite. Donc bon, moi, si on n'est pas très friand d'applications tendance tout de suite, parce que ça va arriver. Oui, ça va arriver. On espère que ça va arriver. Moi, je pense que c'est quand même. Non, c'est très segmenté pour. Pentaho, le mot de la fin. Alors, en fait, le 950 XL. Le mot de la fin, est-ce que tu le conseilles et pourquoi? Je le conseille pour une utilisation pro. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur Tinder et sur Snapchat, c'est l'écran qui est parfait. C'est le téléphone qui est parfait. Si par exemple. Mais tous les mecs qui nous regardent, ils sont sur Tinder et Snapchat, Pentaho. C'est pas des PDG. Voilà, ils sont pas tous mariés, je suis désolé pour eux. Non, mais il y a Tinder dessus. Il y a Tinder dessus. Ah, ça va alors. C'est bon. Si, non, il y a quand même la plupart des applications. D'accord. J'utilise pas Tinder, je suis désolé. Moi non plus, mais je me suis renseigné. Vas-y, termine, Pentaho. Bref, et donc, non, franchement, c'est le téléphone qu'on attendait pour donner en fait le coup de boost au smartphone de Microsoft. L'écosystème Windows 6 avec les applis unifiées et le mode Continuum, c'est-à-dire que tu as un PC dans ta poche avec le mode Continuum, ça pour moi, pour les travailleurs nomades, c'est juste parfait. Quoi. Le prix de ce petit boîtier? 600 euros pour le. Le prix de tout ça, ouais. Alors 600 euros pour le téléphone en version normale, 700 pour le XL. Donc c'est cher, mais c'est le prix d'un S6 Edge, c'est le prix d'un iPhone 6S, c'est le prix d'un haut de gamme. Le petit boîtier Continuum, il coûte 99 euros. Okay. Sachant qu'ils ont fait quand même. Ils ont fait des offres de précommande où, en fait, quand tu précommandais le téléphone, ou bien là, jusqu'au, je sais pas, 12 décembre, je crois, il y avait une offre où tu avais le boîtier qui est offert, un dock de recharge aussi qui était offert. Un dock sans fil. Un dock sans fil, parce qu'il est compatible charge sans fil. Donc, il y avait des bundles sympas, quoi. Il y avait des bundles sympas, en même temps, pour pouvoir lancer le téléphone, tu vois. OK.
Bah voilà, bah donc c'était un petit tour d'horizon du 950 et 950 XL. Maintenant, c'est encore très jeune, vous ne les avez pas essayé très longtemps. Donc n'hésitez pas à follow les amis Pentaho et Chrono sur Twitter pour prendre leurs news, savoir ce qu'ils en pensent sur le long terme. Bah, je vais remercier tout le monde et merci Krakou d'avoir supporté notre débat téléphone. Je sais que c'est pas fort. Toi, t'es Team Honor. Hein. T'as Honor 7, je crois. Ouais. Tout récemment, en fait, je suis passé d'un iPhone 5, un Honor, c'est d'Apple Android. Et t'as fait un comparo, non, là-dessus, justement? Oui, il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'était allez très voir orienté ça sur jeuxvideo.com. C'est très orienté gaming, pour le c'est, coup. Voilà, Krakou a fait un dossier qui comparait les téléphones milieu de gamme. Et j'ai fait aussi une sélection de produits de Noël pour voilà. ceux qui veulent se faire des cadeaux. Allez voir les articles de Pentaho sur jeuxvideo.com. Je voudrais remercier de Krakou sur... Il serait déçu avec moi. C'est la deuxième fois. Je voulais remercier la régie, hein, Cardel et Polo, qui nous ont fait une super émission, toujours hyper réactif, ça fait bien plaisir. remercier Yamato, qui a fait sa nuit blanche et qui est quand même venu faire l'émission. Bravo Yamato. Voilà, Chrono pour une première qui s'est déplacée, ça fait très plaisir. Et je pense qu'on te reverra parce que tu habites pas très loin. Non, j'habite à côté. Il habite à Levallois-Cité, donc je pense qu'on te reverra. Et bien sûr, Pentaho et Krakou, les habitués. Voilà, donc c'était le journal du hardware. Chaque semaine à 18h, votre nouveau rendez-vous. Voilà, l'émission est toute jeune, j'espère que ça vous plaît. Faites-nous des retours. Sauf en cas de COP21. sauf s'il y a un ouragan ou une catastrophe naturelle. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Il y aura le YouTube, le replay bientôt sur notre YouTube. Et restez sur Gaming Live. Il y a Deglingus, exceptionnellement juste après nous, qui va jouer à Europa Universalis 4. Voilà, il en faut de l'abnégation quand pour faire des streams là-dessus. Moi, ça m'impressionne. Voilà. Bisous à tous et à la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao, ciao.